Stevie, votre télé. Bonsoir, merci de votre fidélité renouvelée. Ce soir, nous allons surfer sur la rentrée scolaire en zone anglophone notamment. Les cours ont repris dans les différents établissements ce lundi en dépit de la faible participation des élèves. Ce constat a été fait à Boya, capitale de la région du Sud-Ouest, où le ministre des Enseignements secondaires, Ernest Masséna Ngalébibéye, a procédé au lancement de la dite rentrée. La tendance là-bas est à la reprise de cours, avec plusieurs établissements qui ont reçu des élèves, même si le nombre n'est pas encore à son optimal. Dans le Nord-Ouest, et particulièrement à Bamenda, l'engouement est peut-être moindre, mais des établissements scolaires ont également ouvert leurs portes, certes sous fond de mots d'ordre, de ville morte. Une rentrée scolaire au pas de tortue donc intervient alors que le président de la République a signé la semaine dernière un décret qui suspend les poursuites judiciaires contre les leaders de la contestation anglophone et certaines autres personnes impliquées dans les troubles qui ont secoué cette zone. Et comme un malheur ne vient jamais seul, il faut dire que hier, notamment, on a pu observer dans un village qu'on appelle Kifem, c'est dans le département du Mbouy, du côté de Koumbo. Là-bas, une descente de la gendarmerie a mal tourné, entraînant un affrontement armé entre les populations et les hommes en tenue. Les échauffourés ont fait un bilan d'un mort côté civil et un gendarme blessé. Les versions divergent entre les populations locales et le ministre de la Défense. On va voir ça dans un moment. Et voilà donc les deux choses, deux thèmes qui vont, du moins le principal thème qui va nous guider ce soir. Mais bien sûr, avant de les développer, on va certainement faire un stop pour lire un peu l'actualité, notamment la nomination des sous-préfets avec un jeu de chaises musicales ici à Douala. Douala 1er va à Douala 4e, Douala 4e se retrouve à Douala 5e et Douala 5e se retrouve à Douala 1er. On va voir tout ça avec nos invités et aussi la liste, du moins la clôture des inscriptions sur les listes électorales. Le directeur de l'ECAM, Abdoulaye Babalé, a fait le point ce jour même. On peut observer qu'il y a un certain nombre d'inscrits, 400 000 depuis 8 mois déjà. On va également en parler en début d'émission. Mais ce sera juste après avoir découvert qui sont les invités de ce soir. D'abord le docteur Bernard Bauguin, il est entre autres juriste et par ailleurs militant du IRDPC. Bonsoir à nouveau docteur. Bonsoir Dupitin, bonsoir aux copanélistes et à vos milliers et innombrables téléspectateurs. Entre autres, je rappelle que vous avez travaillé auprès de la Cour d'appel du littoral. Que je travaille. Michel Michou Moussala, directeur de publication de Europe Plus. Journaliste. Bonsoir Michel. Bonsoir Dupita et bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi, après 4 mois, 5 mois de repli, pour j'accepte cette belle invitation que vous faites à la veille de la rentrée scolaire. Ben, j'ai failli dire bon retour aussi. Merci. Elie Smith, journaliste à Canada International. Bonsoir, cher confrère. Bonsoir, Dipita. C'est un honneur de m'inviter et c'est aussi un plaisir d'être avec mes copanélistes ce soir. Et puis, maître Julius Achou, avocat au barreau du Cameroun et non moins militant du RDPC. Bonsoir, maître. Bonsoir, monsieur Dipita. Bonsoir, tout le monde sur la table. Bonsoir, téléspectateurs. Merci également d'être là à nouveau. Alors, juste derrière la transition, on commence par l'actualité. D'abord, les préfets et ensuite, les. Alors, les mouvements des préfets, notamment ici dans le Vouri, où on observe que le préfet de Douala 1er, Jean-Marc, le sous-préfet, pardon, Jean-Marc Ekwabaga, a été délocalisé pour se retrouver à Douala 4e, donc de Bonandjo à Bonaberry. Notre ami de Douala 4e, le sous-préfet Zakes Bakoma Elambo, lui va à Douala 5e. Pendant que Chakwi Nundi Jean-Harry, qui lui était à Douala 5e, se retrouve à Douala 1er. C'est donc la conséquence d'une décision du président de la République, qui a été
publié hier. Réaction, Michel Moussala. Écoutez, Dipita, je pense que c'est un problème qui a été observé par toutes les scènes qui se font autour du commandement. Et je pense tout simplement qu'on a rattrapé. Ma lecture, c'est celle de constater qu'on a dû rattraper un certain vide. Ce vide, c'est celui de voir des sous-préfets qui auraient mis 5 à 7 ans. Hein, et qu'on pense qu'en basculant, en les basculant vers un autre site de commandement, ça pourrait faire un peu changer, bouger les lignes. Et j'ai aussi remarqué que peut-être ce qui est normal ou anormal pour les uns, ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, que quelques constats ont été faits sur ces nominations, avec l'entrée dans le commandement du fils de Sadi, et que les uns et les autres ont dû le remarquer dans les réseaux sociaux, que ça fait un buzz. Mais je pense que je constate que ces sous-préfets dans la localité de Douala, dans le département de Vouri, où il y a eu 3 qui ont eu un jeu de chaise, c'est que ces gens ont pratiquement passé 5 ans, 6 ans chacun à son poste, et qu'on pense que ce petit mouvement, ce ne sont peut-être pas des sous-préfets qui sont établis à l'ice, exercés à Ndiki ou à Kolofata. Ils sont des sous-préfets qui sont appelés à ne travailler que dans la ville de Douala. C'est bien, c'est leur chance. Mais je constate tout simplement qu'ils ont passé du bon temps dans le commandement, dans leur arrondissement, et qu'il aurait fallu qu'on apporte ce petit jeu de chaise afin de donner l'impression que quelque chose a bougé. Élie Smith. Oui, bon, c'est déjà... Peut-être un peu pour quand même préciser, Jean-Marc Lecoq-Vaguin fait 10 ans à Douala Première. Mais vous conviendrez avec moi que mon analyse est juste. Je parlais de ceux qui ont 7, 8. Voilà. Je crois qu'on n'a pas trouvé mieux. On parlait au moins de celui-là. Voilà, peut-être celui de 10 ans s'attendait à aller comme préfet. On n'a pas encore trouvé le lieu où il devrait se rendre. Mais je pense que le jeu de chaises fait qu'on va un peu oublier le temps qu'il est passé à la sous-préfecture de Douala Premier. Élie. Oui, moi je trouve que, pour moi, je me suis posé la question que peut-être comme les élections vont arriver bientôt, il faut peut-être bien sûr les changer, les mettre là où ça serait un peu difficile pour que le parti au pouvoir puisse gagner les élections. Voilà ce que moi je pense. Donc un jeu de chaises médicale bien intéressé. Docteur Boguin. Oui, nous n'allons pas avoir une lecture partisane d'un mouvement au niveau des sous-préfets. Je crois que le pouvoir de nomination des sous-préfets est un pouvoir discrétionnaire du président de la République. Certes, le processus décisionnel est tel que ces nominations sont préparées par le ministre de l'administration territoriale. Certainement, qui a des trafics d'influence, certainement qui a un certain nombre de parlementarisme des couloirs, certainement qu'interviennent des réseaux clientélistes, mais toujours est-il que, en dernier ressort, en ce qui concerne le président, il n'a qu'un objectif, c'est de signer ses mouvements par rapport à un objectif d'efficacité et de performance. C'est quand on garantit au président de la République que le travail que nous avons fait, c'est pour des raisons d'efficacité, c'est pour des raisons d'efficience. Tout à l'heure, vous parliez des gens qui mettent 10 ans à un même poste. Quand on a mis 10 ans à un même poste, on n'est plus suffisamment productif. Mais sachez que ceux qui font ces propositions, parfois, ils ne tiennent pas absolument compte de l'intérêt général. Ils tiennent compte de l'intérêt particulier. Et sachez également que le ministre, avant de porter ces actes devant le président de la République, il a ses chargés d'études, il a ses conseillers techniques qui font des propositions. Ce n'est pas lui-même qui fait le travail. Donc, c'est à ce niveau... Mais en dernier ressort, il arbitre. Oui, en dernier ressort, il peut regarder quelques cas. Il ne peut pas tout regarder. Il ne peut pas tout regarder. Je me réjouis que le docteur Bonguen soit un militant du RDPC et que
une fois, je constate tout simplement qu'il a utilisé un propos qui soit très intéressant, celui de passer 10 ans à un poste et qu'on est contre-productif. Je veux bien que cette observation soit faite à toutes les échelles. Hein. Ce n'est pas seulement au niveau de la sous-préfecture et de la préfectorale. Maître Julio Sacho, sur... Oui, je pense que le commandement, c'est le commandement. Et le commandement a un chef qui s'appelle le chef de l'État. Et c'est dans ce pouvoir régalien, n'est-ce pas, de faire bouger, n'est-ce pas, le sous-préfet partout dans le Cameroun, quand il veut. Parce que la Constitution n'a pas interdit, on n'a pas donné un délai, n'est-ce pas, pour faire bouger le sous-préfet. Moi, par contre, je pense que lorsqu'on laisse quelqu'un dans un endroit, c'est parce qu'on a trouvé qu'il est efficace. Parce que si vous n'êtes pas efficace, personne, avec une bonne sens, ne peut pas oser vous laisser, n'est-ce pas, dans un endroit pendant presque 10 ans. Je pense que le sous-préfet a réussi, n'est-ce pas, dans l'exercice de ses fonctions, pendant 10 ans, sans faille, sans problème, et d'où la nécessité, n'est-ce pas, pour qu'on le bouche, pour qu'il vienne chez nous à Bonaberry. Il serait bien accueilli. Nous l'attendons, n'est-ce pas, avec beaucoup de patience. Oui, je voudrais dire à Michel Chou, au très brillant journaliste Michel Moussala, Michel Moussa, que il faut distinguer les nominations et l'élection. Le président de la République est élu par le peuple camerounais. Aussi longtemps que le peuple va solliciter ses services, il ne peut pas faillir à ses devoirs. C'est un devoir. Quand le peuple vous appelle, quand la nation vous appelle, quand on vous dit par exemple que vous êtes le plus à même d'être le porte-standard, d'être le fer de lance de la nation, vous ne pouvez pas vous dérober parce qu'il y va de l'intérêt national, de l'intérêt général. Et si, tant soit peu, les électeurs avaient pensé qu'il ne peut plus, qu'il ne fait plus le job, ils n'auraient pas renouvelé son mandat. Et du coup, le rendez-vous de 2018 est pris. Oui, ben, si en 2018, le peuple estime qu'il est encore l'homme de la situation, il sera réélu. Si le peuple estime le contraire, il ne le sera pas. Mais compte tenu des données que nous avons sur le terrain, de tout ce que vous voyez sur le plan infrastructurel, de la maîtrise que nous avons par rapport au terrorisme, de la solution qu'il apporte par rapport aux problèmes, de la résilience sur le plan économique, je pense qu'il va être réélu. Docteur Bonguet, vraiment, je n'ai pas la capacité de croire que vous n'ayez pas de la matière. Mais je ne suis pas venu sur un plateau-ci pour croire que je viens écouter ce type de discours. Je suis venu dire au moins que ce que vous dites là est très dangereux pour notre société et pour notre nation. Et je suis convaincu d'une chose, que... Mais les électeurs vont arbitrer. Je dis bien, je suis convaincu d'une chose, que même si l'électeur arrivait aujourd'hui à donner un avis tel que nous allions le faire peut-être en 2018, ce qui n'est peut-être pas très sûr, parce que je peux me référer intellectuellement à comprendre que les promesses que le chef de l'État prend ne sont pas ne sont pas celles qui rassurent. C'est-à-dire que vous parliez même en lieu et place de quelqu'un qui n'est pas souvent certain de ce que vous dites, parce qu'en réalité, ce que vous dites aux Camerounais en disant nous ne vivions pas dans le même pays, moi je vis dans les astres et vous vivez au Cameroun, vous avez les seuls yeux dans le RDPC à voir les routes, les infrastructures routières, à voir l'économie se relever, à voir les écoles reprendre, à voir tout ce que vous avez énuméré comme chapelet. Vous êtes seul dans le RDPC, vous qui êtes dans le RDPC, c'est vous qui voyez. On a, nous, l'impression que nous ne vivions pas dans le même pays et que nous venions tout simplement en petit observateur. Nous ne voyons pas, je crois que c'est vous qui traversez entre Douala et Yaoundé. Vous voyez que c'est très beau. On vous parle de la prévention routière, mais on meurt toutes les minutes. Vous parlez des infrastructures scolaires, où on nomme des proviseurs inexistants qui meurent, qui sont morts, mais qui sont nommés. Nous sommes dans une république où vous estimez mieux parler pour dire... Je n'en étais pas au bilan du président de la République. Non, je vais tout simplement ramener le docteur Bonguen. On n'a pas du tout changé le sujet. C'est écœurant que je... En fait, j'accepte, c'est un débat, que nous nous retrouvions en train de donner les bonnes notes. Alors, puisque vous parlez de 2018 en brillant avec Elecam, hein, pour dire que l'organe en charge des élections, de la gestion du fichier électoral, vient donc de rendre public les chiffres de la campagne d'inscription.
sur les listes électorales pour cette année 2017. La campagne avait commencé, vous le savez bien, le 1er janvier de cette année et elle s'est achevée le 31 août dernier. Alors, selon les statistiques délivrées par Abdoulaye Babalé, le directeur général de l'ECAM, 403 069 nouveaux électeurs ont été enregistrés pendant les 6 mois qu'ont duré la campagne, parmi lesquels on retrouve 159 154 femmes pour 243 915 hommes. Parmi ces inscrits, le nombre de jeunes de moins de 35 ans enregistrés est de 285 076, soit 70% du total des inscrits. C'est quand même marquant. On note également que la région qui a connu le plus grand nombre d'inscrits est celle du centre, avec 113 603 enregistrements. Elle se classe largement la deuxième région, c'est-à-dire le littoral, 75 281. L'ouest, troisième, 43 000 et plus. Les régions de l'est et du sud ferment la marche avec respectivement 16 898 et 11 000 et plus d'inscrits. Alors, pour ce qui est des retraits des cartes, l'ECAM annonce que depuis le début de la refonte, dite biométrique des listes, le Centre national de biométrie électorale a produit 6 073 534 électeurs et 5 millions et plus de cartes ont été remises à leur titulaire pour un taux global de 95% de retrait. Alors, l'ECAM a donc profité de la publication de cette statistique pour remercier tous les médias et bien sûr ceux qui l'ont accompagné. Alors, ce point, on le sait, hein, se fait dans un mouvement d'appel aux inscriptions. On a pu voir un certain nombre de partis politiques, le MRC, bien d'autres, le SDF, même le RDPC, et certains acteurs politiques, Cabral Libi et d'autres aussi, qui avaient appelé des Camerounais à s'inscrire, notamment Cabral Libi, qui avait lancé son opération 11 millions d'électeurs. Et vous constaterez peut-être avec moi, Elie Smith, qu'on est bien loin des 11 millions de nouveaux inscrits. Exactement. Mais ce n'est pas par faute que M. Cabral Libi n'a pas aidé. Il s'est débattu comme un beau diable. Mais je prenais le taxi l'autre jour. Quelqu'un m'a dit, si vous êtes chrétien, avant d'avoir peur de Dieu, il faut avoir peur des hommes politiques. Je pense que si les gens ne se sont pas bousculés pour aller s'inscrire, c'est parce qu'il y a eu cette crise de confiance aux hommes politiques que les Camerounais ont. Mais c'est une erreur. Je pense que si vous voulez débouter du pouvoir un régime incompétent comme le nôtre, qui est géré depuis 34 ans, qui a ruiné l'économie du Cameroun. Je suis un peu étonné que M. Dr. Bonguet dit que nous sommes dans une croissance. Je pense qu'il ne lit pas les journaux. Voilà un pays qui est en réajustement structurel, qui ne crée pas de l'emploi. Les emplois qu'on crée, c'est les emplois informels, les mototaximens, les vendeurs de Bitacola. Mais je pense que si les gens ne sont pas inscrits, c'est tout simplement parce que les gens sont découragés. Mais c'est l'erreur, on devait s'inscrire sur la liste électorale, malgré que les lois ne sont pas bonnes. On peut utiliser cette mauvaise loi et faire partie de ce régime du pouvoir. Bernard Bobin. Oui, le RDPC a inscrit presque tous ses militants. Nous ne savons pas pourquoi l'opposition nous laisse le champ libre tout le temps et quand nous gagnons, ils se plaignent. Ils ne font aucun effort. Donc vous représentez près de 6 millions de militants au Cameroun. Pour inscrire. Bien sûr, vous allez voir que lorsqu'on va publier les résultats en 2018, on va dire qu'il y a fraude parce que ce ne sont que les RDPCistes en majorité qui se sont inscrits et qui donc vont voter. Je voudrais rappeler aux opposants qui tout le temps ouvrent la bouche pour se plaindre, comme ceux en face de moi, qu'au lieu de venir sur les plateaux bavardis, il ferait mieux d'aller dans les quartiers réveillés. Et les élites et Moussa, là, sont des journalistes. Hein. Oui, tout leur demande. Les gens des cadres de militants. Sauf si vous les avez croisés sur le terrain. Oui, au côté de certains partis. Ils sont porte-parole. Ils sont porte-parole. Permettez que je consomme des porte-parole. Mais je voudrais dire qu'il faudrait donc qu'ils aillent sortir les gens de l'État et leur dire qu'à partir de janvier... Qu'ils aillent donc sur le terrain, à tête dévoilée. Oui, qu'ils aillent s'inscrire. Parce que l'élection est déjà après, dès qu'on convoque le corps électoral, absolument, l'élection est déjà gagnée. Oui, l'élection est déjà gagnée parce qu'on sait, on connaît le nombre de militants. Je parle par rapport au nombre d'électeurs. L'élection est déjà gagnée alors, c'est très bien. Je prends l'équation, je vous explique. L'élection est gagnée. Si le RDPC, si on suppose qu'il y aura 10 000 inscrits, si le RDPC a inscrit 8 000 de ses militants, hein, il est tout à fait mathématiquement
plausible docteur que Bogen, RDPC va gagner. Je suis vous désolé comprenez? Que vous n'ayez pas les statistiques des inscriptions de l'ICAM. On n'a pas défini un cadre spécial d'appréciation de ceux qui se sont inscrits. Alors je vous le dis parce que je suis sur le terrain. Non, je ne sais pas. Je vous dis que non, je demande que l'opposition aille inscrire. Je ne sais pas si maître qui est tout à votre droite tiendrait le même discours. Parce que j'ai l'impression que les nouveaux aboyeurs que le RDPC envoie sur des plateaux ne donnent pas la conviction. Non, 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 on l'a invité. Bon, donc, bien sûr, qu'ils soient invités. Ça, c'est des injures. Il n'y a pas d'injures. Non, il n'y a pas d'injure. Vous voyez qu'en réalité... Aboyeur comme un chien. Non, je dis qu'il n'y a pas d'injure, maître. Il y a une appréciation que j'apporte parce qu'il faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas se lever et dire que nous avions déjà gagné. Pour quelqu'un, pour le docteur Bogen, pour qui j'ai beaucoup de respect. J'ai dit si. J'ai non. Conditionné par non, vous n'avez pas conditionné. Vous avez dit que les élections sont déjà remportées. Parce que vous avez inscrit tous vos militants et que les autres de l'opposition dorment. C'est de vos propos que je tire l'essentiel de mes réponses. Il y a encore peut-être 3 ou 4 mois. S'ils dorment toujours, nous avons gagné. Non, on va aller dans le fond du débat. Parce que moi, j'estime tout simplement que nous comprenions ensemble que, pour le moment, il est quand venait de donner le nombre d'inscrits. Pour le moment, on n'a pas encore convoqué le corps électoral. Pour le moment, il faut trouver des arguments pour que nous les opposions aux autres. Ce que je vois souvent, qu'on les oppose, que c'est les partis politiques les opposent aux autres. Malgré le fait que vous nous ayez qualifiés d'opposants. Mais nous, on a tout simplement un aspect d'appréciation. Nous argumentions ce que nous avions Julius, écouté des uns et des autres. Les commentaires sur ces chiffres. Oui, moi je pense que... l'inscription ne sera sur les listes électorales ne dépend pas de l'ICAM. Ça dépend de la volonté, n'est-ce pas, de tout un chacun qui décide, n'est-ce pas, de respecter ou bien prendre en main ses droits civiques pour aller s'inscrire, pour voter, n'est-ce pas, lorsqu'il y a des échéances. À mon avis, les Camerounais sont des gens qui ont besoin, n'est-ce pas, qu'on utilise le bâton et la carotte. Je me rappelle à l'époque, à Idjo, il était une obligation, n'est-ce pas, de marcher avec votre carte électeur. À cette époque, tout majeur faisait tout pour avoir une carte. Parce que ici, on savait que c'était une exigence. Lorsque la police ou la gendarmerie vous stoppez quelque part pour demander, n'est-ce pas, des pièces à présenter. Il est temps, n'est-ce pas, si on veut encourager, n'est-ce pas, les Camerounais de revenir s'inscrire parce qu'il n'allait pas manquer. J'espère que vous ne regrettez pas le fait que votre président national nous ait donné la démocratie. Hein. Non. La démocratie n'exclut pas le contrôle. Parce que si vous voulez pousser quelqu'un d'aller faire du bien, est-ce que c'est mauvais? Si vous voulez encourager quelqu'un d'une façon, n'est-ce pas, peut-être musclé, mais je crois que c'est lui bien, c'est pas mon avis. Michel Michaud qui parlait. Parce que si sur 20 000 habitants, 5 000, n'est-ce pas, 5 millions. Sur 20 millions d'habitants, 5 millions est un peu... Absolument. C'est un cas. Je pense que c'est pas également l'expression de la désapprobation de. Non. Je ne pense pas. Est-ce que c'est le Camerounais, lorsque vous ne le poussez pas, il n'ira jamais s'inscrire. Non, Julius, est-ce que parce tu que veux... chaque fois, j'ai débarqué, j'ai pris la peine d'aller rester à Bon Abbé pour voir comment, n'est-ce pas, le bureau de l'école travaille. Les gens viennent, quand ils constatent qu'il y a une foule, ils disent OK, je vais les passer. Il s'en va. Alors, il faut se rappeler peut-être un ou 2 mois après. Quand il revient, il retrouve la même foule. C'est comme ça, ainsi, jusqu'à après un certain temps, tu vois qu'il ne s'est pas inscrit. Même mes collaborateurs, je suis content d'aller s'inscrire. Je suis parti avec eux, j'ai resté avec eux pendant là-bas dans les bureaux, pour les contraindre de s'inscrire. Parce que très souvent, les Camerounais sont tellement pressés qu'ils n'ont pas le temps d'être patients, n'est-ce pas, pour attendre leur tour. Comme ça s'est fait dans les pays bien développés. Les Camerounais ne sont pas patients. Pour une raison ou pour une autre, on est d'accord, maître Julius, qu'il y a un essoufflement sur la qualité démocratique et l'appréciation des Camerounais peut concourir à dire que, bon, pendant 20 ans, nous avions tout fait pour que ça change, ça n'a pas changé. Et que j'estime que ce n'est pas en 2018 que ma petite voix c'est pourtant en réalité il faut courir. C'est pas vrai parce qu'à l'époque pendant 20 ans il n'y avait pas 5 millions d'électeurs. Au moins maintenant nous avons 5 millions. Cela veut dire qu'il y a, n'est-ce pas, une progression. On n'a pas dit qu'il n'y a pas une progression. Il y a la manière dont on a procédé
à l'usage de nos voix qui fait à ce que les gens se sont rétractés. Parce que l'une ou l'autre voix qu'on peut chercher à adopter aujourd'hui sur le plan de la sensibilisation, il est bien que chaque citoyen s'acquitte de son devoir. Mais il y a que chaque citoyen est libre d'apprécier, parce que quand vous disiez qu'il faut tenir la machette, on ne peut plus revenir, parce que nous autres, on se rappelle quand même que, et vous le savez bien, que nous menions le combat pour que nous vous retrouviez sur les plateaux. Aujourd'hui, les uns sortent pour parler. Aujourd'hui, c'est un choix. Si les Camerounais estiment que malgré l'appel de tous les leaders des partis politiques à aller s'inscrire en masse sur les listes électorales, il y a ceux qui ont mal pris ou mal apprécié les années où ils pensaient qu'ils avaient donné le meilleur d'eux pour que certains se changent. Et ils en sont là où ils en sont. Mais on peut dire, Elie, que 400 000 électeurs nouveaux, c'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant, je veux dire, surtout à la veille de l'année électorale. Oui, c'est inquiétant. Et je partage les points de vue de Maître Julius et aussi de Monsieur Moussala. C'est que, d'abord, les Camerounais ou les gens de l'Afrique centrale, généralement, on doit les forcer, obliger de faire quelque chose. Et en ce qui concerne pas bon dans le sens de Monsieur Moussala, et que les gens aussi sont découragés. Je vous ai donné l'exemple de ce qu'un taximan m'a dit. Que il y a une certaine crise des hommes politiques. Une crise de confiance. Il y a des gens qu'on a cru en eux étant des anges. Quand ils sont arrivés là-bas, ils sont devenus des démons. Donc, ça fait que des gens... Donc, il faudra que... Et ça, c'est important. Les leaders d'opinion. Donc, c'est pourquoi je crois que, contrairement à ce que les gens pensent, ce que M. Cabral Libi a fait ou est en train de faire est important. Il faudra aussi qu'au sein des partis politiques, les états-majors des partis politiques, on essaye d'encourager des gens pour y participer. Ça va aider. Et l'ECAM aussi doit revoir sa stratégie. Peut-être il faudra que l'ECAM commence à aller dans des maisons aussi pour encourager les gens qui sont chez eux pour voter. Ils ne doivent pas rester dans les tentes. Il faut reconnaître quand même que c'était des opérations mobiles. Peut-être pas dans les foyers, comme vous dites, mais au moins dans les coins. Moi, je me souviens avoir vu les Camerounais au Pondeido, au Monsieur le député, pour ne citer que Douala. Qu'il faut révéler et ce que dit Julius est simple, c'est que l'incertitude même de la tenue d'une élection en 2018, même comme le calendrier électoral dit qu'en 2018, il y a peut-être 4 à 5 échéances. Nous sommes en fin 2017. Le président de la République ne s'est pas adressé à la nation, leur rassurant qu'il y aura une tenue d'une élection quelconque en 2018. Même comme le calendrier, il peut avoir des reports, il peut avoir un certain nombre de choses. Ça, il faut l'inclure dans cette nonchalance étalée par les Camerounais, pas se faire inscrire dans les listes électorales. Il faut comprendre qu'on nous endort avec des discours économiques. On ne dit pas que le programme, le calendrier électoral va être exécuté parce qu'il y a les législatives, il y a la présidentielle, il y a les sénatoriales, les municipales. Donc il faudrait que le président de la République rassure les Camerounais, effectivement, ça devait susciter un certain engouement, ça devait pousser les Camerounais à dire que le président de la République a rassuré qu'une au moins de ces 4 élections se tiendrait. Le calendrier électoral parle de 2018, mais vous entendez les discours, la réception, moi je lis souvent entre les lignes, les discours du président de la République quand je prends un peu du temps, la réception de 2000, quand il reçoit les Lions, il dit que nous avions des échéances en 2000, nous y serons. Il dit, comme Camerounais, comme président de la République, nous allons les tenir. Il affirme dans ce qu'il dit qu'en 2019, ce qui veut dire qu'il a les pouvoirs, parce que tout à l'heure j'ai entendu les pouvoirs régaliens. Constitutionnellement, M. Biya peut renvoyer ses élections à tout moment, il peut repousser en disant qu'on a une échéance, mordicus, il faut qu'on joue d'abord au football, qu'on construise des stades, en ce moment nous reviendrons à une élection. C'est ce qu'on appelle le banditisme politique, parce qu'en réalité, le président de la République se serait déjà prononcé pour rassurer ses Camerounais, ses compatriotes, pour dire que de tout ce que j'entends, il y aura des élections. On est en 2017, pratiquement à quelques mois des échéances, au mois d'août, si mes souvenirs sont exacts, entre juillet et août, mais le président de la République aurait fait une sortie politique pour dire que nous allons, autant il a dit que il s'y investit personnellement pour que la Coupe des Nations se tienne, autant il aurait dit aux Camerounais, au jour d'aujourd'hui, qu'il s'y investit, les élections se tiendront. Mais sur la base de quel texte? Il n'a pas de délai pour faire les déclarations. Moi, je me réfère à la Constitution. Il n'a pas dit que le président doit faire telle ou telle déclaration pendant telle ou telle période. C'est à sa discrétion. Et pour le moment, nous sommes satisfaits
la façon qu'il utilise sa discrétion. Vous les militants. Langue de presse. Vous les militants. Langue de presse. Non. Vous les militants. Et d'abord, je suis un Camerounais. Langue de presse. Donne-nous la parole. Non. Vous vous êtes J'aime la façon qu'il utilise sa discrétion. Ah bon? Il n'est pas rassurant. Je vous assure que vous pouvez, n'est-ce pas, le contredire. Il ne peut pas dans les élections. Non. Tant que vous ne pouvez pas le battre dans les élections, il ne faut pas. C'est nous qui souhaitions avoir les Camerounais qui s'inscrivent sur les listes. Maintenant, vous voulez réagir. Vous savez, s'il vous plaît, on a à peu près 200 partis politiques. Donc, ça veut dire à peu près 250 tribus. Donc, ça veut dire que chaque tribu a au moins un parti politique. Comment ce leader n'arrive pas à faire inscrire même les gens de leur village? Est-ce que c'est compliqué? C'est vous qui avez là, cela me dit, non, je vous ai dit que le problème, c'est vous qui essayez les statistiques. C'est au niveau des Camerounais. On fait une lecture globale de ce que vous pensiez, mais je dis que si le président de la République avait fait une sortie rassurante, comme chez les Blancs, comme partout ailleurs dans les démocraties claires, M. Biya aurait dit à ses compatriotes, l'année 2018 est une année électorale. Vous allez voir, vous aurez plus de 2 millions d'inscrits à 3 millions en 2 mois. Bernard. Il n'a pas besoin d'enfoncer une porte qui est déjà ouverte. Parce que nous savons que constitutionnellement, les élections vont se tenir en 2018. Bravo. Nous connaissons la date. Si c'était le contraire, c'est là où il va l'annoncer. Il n'a pas besoin de venir expliquer que ce qui devrait se tenir va se tenir. Bon, j'en profite pour expliquer que en démocratie, la démocratie signifie que la vérité se trouve dans le grand nombre. Ça signifie que même s'il y a 1 million d'électeurs uniquement, on va requérir leur avis par rapport au choix des projets, par rapport au choix des dirigeants. Et on va comptabiliser les bulletins. Ceux qui seront majoritaires par rapport à un candidat, à un projet, on va supposer que c'est ça la vérité du moment, que c'est ce que les Camerounais veulent. Et pour cette raison, il peut s'avérer que celui qui est élu, c'est parce qu'il avait mobilisé le plus d'électeurs et qui sont venus le voter. Par contre, celui qui aurait pu avoir la majorité, ses électeurs sont restés à la maison et ont faussé donc le jeu démocratique. Nous n'ont pas conduit dans la vérité. C'est pour ça que nous souhaitons que tout le monde s'inscrive. Pour qu'en fin de compte, on sache exactement ce que les Camerounais veulent. On ne voudrait pas que ce soit seulement le RDPC, que la balle se joue dans un seul camp avec seulement les mêmes joueurs. On souhaite cela. On appelle Docteur les gens Bogen, de venir s'inscrire. Vous courez dans le sac parce que personne n'empêche au RDPC de se déployer. Non, toujours est-il que quand je vous ai parfaitement compris, parce que vous donnez l'impression là aujourd'hui que vous qui êtes prêt, le RDPC, parce que vous parlez de ça, vous qui êtes prêt, c'est vous qui avez les statistiques. Parce que une élection, ce n'est pas sur 25 millions, s'il n'y a qu'un million de Camerounais ou 5 millions qui se sont inscrits. Sinon, vous ne prendrez pas sur vous de crier à corps à cri. Maître l'a dit tout à l'heure en disant qu'il a contraint ses collaborateurs à aller se faire inscrire. Sinon, vous n'auriez pas besoin de tout ça s'il faut qu'un million vienne vous donner une légitimité. C'est un exemple que j'ai pris. Je ne prends qu'un exemple. Vous ne prenez que des exemples souvent qui me paraissent... Je me répète. Au lieu de 1 million, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut que le maximum de Camerounais s'inscrivent, si possible, qu'il y ait 25 millions d'élus. À partir de ce moment, nous allons tabler parce que en science politique, lorsque sur 25 millions, il y a juste 4 millions ou 5 millions qui vont élire. On se dit que peut-être, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Peut-être qu'il y a un problème de légitimité. Peut-être. Parce qu'on se dit, bon, si ceux qui sont restés chez eux s'étaient inscrits, avaient voté, est-ce qu'on aurait eu les mêmes résultats? Et puis, on ne sait pas en ce temps-là exactement ce que, je vais prendre l'exemple du Cameroun, ce que les Camerounais veulent vraiment. Mais on est obligé d'extrapoler avec ceux qui ont voté. Et on dit que voici ce que les Camerounais ont voulu. Alors qu'ils ont... Alors, Elie, je commence par vous pour sortir. Quelle alchimie faut-il maintenant mettre en œuvre ou alors réaliser pour que le maximum ou davantage de personnes puissent s'inscrire? On en croit l'année prochaine, sous réserve de la convocation du corps électoral.
les bureaux de l'ECAMO, alors les inscriptions s'ouvrent le 1er janvier, vous s'achevez le 31. Je veux dire qu'on a au moins le premier trimestre, tout calcul fait, de janvier à mars, pour avoir de nouveaux inscrits. Alors que faut-il faire davantage pour que le maximum de personnes aillent sur les listes électorales? Je pense qu'il faudra qu'on utilise les mass médias, aussi les nouveaux médias comme Facebook, WhatsApp et consorts, et surtout que les partis politiques de l'opposition, la société civile, il y a une société civile, et puis encourager les jeunes à s'inscrire. Parce que le problème, on peut tout dire, ce qu'on veut faire ici, est que tant qu'il y a aussi l'incertitude, je pense que peut-être on va le parler, avec le problème anglophone qui a ressurgi, qui s'accompagne de celle de Boko Haram, beaucoup de gens pensent, en tant que journaliste, j'entends, que c'est le gouvernement elle-même qui encourage que ça se perpétue pour ne pas organiser les élections au temps voulu. Donc ça fait que ça décourage les gens. Mais ces gens ne vont pas faire partie de ce gouvernement s'ils ne sont pas inscrits, non? Oui, mais le problème est que, vous savez, il y a une autre chose. Parce que quand M. Bonguem a parlé en disant qu'il faut encourager les gens, c'est comme si on était dans une démocratie. En fait, on est dans une démocratie électorale ou peut-être même une kleptocratie en réalité. Et qu'on sait ce qui va se passer. Il a même dit que, je ne sais pas combien la population du Cameroun, il voulait 25 millions d'inscrits. Je comprends déjà parce que ça veut dire la triche est un peu dans leur attitude de le faire. Mais je pense que ce n'est pas les choses sérieuses. Encourageons les gens à y participer. Mais surtout, il faut que les gens soient sûrs qu'ils vont voter. Et je veux rappeler, et ça je n'invente rien, descendez dans la rue, M. Bonguem, on sait très bien que le RDPC a toujours excellé dans une fraude monumentale, et toutes les élections. Donc ça veut dire que ça a toujours encouragé, parce que c'est ça aussi qui participe à cette crise. Quand vous saviez que M. Julius va gagner les élections parce qu'il est populaire, par exemple, à Bonaberry, et vous découvrez que c'est M. Bonguem qui sort de Yabassi qui gagne. Donc il faudra d'abord qu'on encourage, on fait que nous, les gens de médias aussi, et la société civile, doivent encourager les gens que, quel qu'en soit le cas, le seul moyen pour faire partie ce gouvernement, si c'est réellement on veut le faire partie au lieu de danser de Marcos à chaque jour, est qu'on s'inscrit massivement dans les élections. Hein, et on fait comme on a fait au Congo-Brazzaville pour ridiculiser Denis Sassou Nguesso, et que le jour qu'on va voter, tu votes et tu restes, c'est ce qu'il faut. Tu restes pour tu contrôles ton vote. Tu contrôles que le RDPC ne vole pas. Michel Meshomoussala. Bon, écoutez, j'ai développé cet aspect tout à l'heure. J'ai dit que l'incertitude de la tenue du calendrier électoral en 2018 n'amène pas les citoyens à s'imprégner de tous les vœux, de tous les appels que nous faisions pour qu'ils aillent se faire inscrire. Je disais tantôt, parce que vous avez suivi tout à l'heure mes contradicteurs dire que nous n'avions pas connu une certaine époque où on a contraint des individus, on ne peut plus rentrer 20 ans en arrière. On est sorti de ça et je pense tout simplement que le président de la République devait prendre, j'ai dit tout à l'heure que s'il se prononçait, le calendrier électoral, il est là. Mais constitutionnellement, M. Biya a les pouvoirs de dire qu'il peut renvoyer ses élections. Il a déjà eu à le faire. Il en a fait des élections couplées dans ce pays. Donc, il a ses pouvoirs constitutionnels. Donc, mais je dis, c'est qui peut pousser? Si les gens sont un peu endormis, c'est tout simplement parce qu'ils estiment que même en allant s'inscrire, d'autres auront eu le temps de perdre leur carte de vote. Et pour ceux qui se sont, même certains qui sont venus me voir, que j'ai rencontré, ont dit qu'ils se sont inscrits. Mais ils n'ont pas là où retirer, ils ne savent plus là où aller retirer les cartes de vote. Je connais des gens à Makepe. Il y a un peu plus d'un million de cartes qui sont qui sont en divagation. Voilà. Donc, en réalité, il faut revoir le système, il faut revoir l'approche. Et ainsi, je dis bien que ce qui peut susciter aux Camerounais leur adhésion, c'est que M. Biya confie. Parce qu'on nous parle seulement de la Coupe des Nations, les problèmes Boko Haram, les problèmes anglophones. Mais cet instant est un instant politique important pour la nation, au point que si le président de la République, M. Biya, arrivait à se prononcer, ça va pousser les Camerounais à comprendre que cette échéance, chacun peut être à sa manière participative. Oui, je voudrais. Nous sommes au Cameroun, nous sommes de très beaux parleurs. Et lorsqu'il faut mettre des choses en pratique, n'est-ce pas, ça nous échappe. Quand je dis ça, c'est parce que je voulais demander si, n'est-ce pas, monsieur, mon grand frère, il a eu à un moment donné, n'est-ce pas, poser sa candidature pour une élection nationale, pour comprendre, n'est-ce pas, ce qui se passe. Vous savez, lorsque j'ai dit qu'il faut essayer de chercher le moyen de contraindre, la première chose, c'est que lorsque vous êtes inscrit,
et vous perdez votre carte électeur, vous avez le droit de voter avec votre carte d'identité nationale. Donc ça veut dire qu'on a quand même un texte qui fait de telle sorte que la carte d'identité nationale, n'est-ce pas, est obligatoire. Chacun doit en avoir. C'est facile, n'est-ce pas, de l'utiliser, n'est-ce pas, dans le processus électoral. Si les Camerounais, n'est-ce pas, ont la patente, ils ne veulent pas aller s'inscrire, ou bien ils ne veulent pas utiliser le carte d'électeur qui a été, n'est-ce pas, fabriqué pour les besoins de la cause. Mais il y a la carte d'identité nationale qu'on peut utiliser. Mais le problème, c'est pas comme je vous ai dit, ce n'est pas le fait que les infrastructures nous manquent. Ce n'est pas le fait que la volonté, n'est-ce pas, de créer un atmosphère paisible, n'est-ce pas, pour que les gens puissent s'inscrire. Mais c'est le Camerounais qui est le problème. Le Camerounais, n'est-ce pas, a besoin du bâton et la carotte. On doit l'encourager de faire même ce qu'il a besoin de faire. Il y a des moments, même pour aller à l'hôpital, il faut noter que les infirmiers font souvent des descentes pour chercher même des malades qui ne veulent même pas aller aux hôpitaux. Donc, c'est ça le Cameroun. Si vous comprenez que c'est ça le Cameroun, qu'est-ce qu'on fait? Il faut chercher, n'est-ce pas, à les encourager de telle sorte qu'ils vont aller se faire inscrire. Par exemple, lorsqu'on fait le recensement, n'est-ce pas, partout, n'est-ce pas, on va avoir les jeunes, avoir les appareils pour compter les gens dans les maisons. Dans la même façon, on peut faire inscrire les gens qui sont chez eux, qui ne peuvent pas aller dans les différents bureaux, n'est-ce pas, de l'ECAM, pour faire l'inscription. C'est possible de le faire. Il faut seulement qu'on a la volonté, n'est-ce pas, d'encourager les Camerounais d'aller vers là. Et ça va se passer passivement sans problème. C'est ça que je dis que le problème, c'est le Camerounais. Il ne faut pas blâmer l'ECAM ni le système en place. Parce que il y a cela deux ou trois, cinq ans. Il n'y avait que 2 millions à 3 millions d'électeurs. Maintenant, nous sommes jusqu'à 5 millions et plus. Mais la population, là, la population aussi a légèrement augmenté. Je suis d'accord. Donc, ça, voilà, c'est un progrès. Nous avons progressé, mais là, il faut qu'on encourage les gens d'aller vers ce progrès. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer Il faut repenser le système politique camerounais. Ça permettrait aux Camerounais de revoir les pages. Michel, on va laisser. Si on laisse les Camerounais, ce n'est jamais fait. Je voudrais dire à M. Dismuth que le code pénal a prévu et réprime les délits électoraux. Cela signifie que les députés à l'Assemblée nationale ont reçu des projets de loi dessus. Et le projet de loi est initié par le gouvernement, par le président de la République. Donc, sa volonté, c'est qu'il n'y ait pas de fraude. Et nous avons intérêt dans ce pays à ce qu'il cesse d'avoir la fraude, pas seulement sur le plan électoral, mais également en ce qui concerne les biens publics, en ce qui concerne les services publics, en ce qui concerne... Bref, qu'il n'y ait pas d'infraction à la loi. Et si jamais vous rencontrez quelqu'un qui a fraudé, sachez que celui-là, c'est un ennemi de la République. Parce qu'il porte atteinte au bien commun. Et il devrait en répondre devant la justice. Si c'est un cas de flagrant, il dit que les gens le prennent manu militaire et pour le traîner devant les autorités compétentes. Parce qu'il ne doit pas avoir de fraude électorale dans un pays. On fausse les données, on fausse la piste, on prend une mauvaise piste quand on a fraudé, quand on a fait mentir les résultats. Pour cette raison donc, je peux vous rassurer que moi, ainsi que beaucoup d'autres dans le RDPC, les vrais RDPCistes, nous sommes contre toute forme de délit électoraux, que ce soit la fraude ou que ce soit la violence électorale. C'est quelque chose... Docteur, on ne vous entendra pas avec ce discours au sommet du parti. Hein. Pourquoi pas? Laissez-le terminer. Parce que ça rentre dans le rassemblement. C'est le plus libéral. Ce que je suis en train, de vous expliquer et qui est constant, c'est que si nous avons un problème dans ce pays, ça peut être d'abord un problème de bonne loi. Si une loi est mauvaise, il faut changer la loi. Si la loi est bonne, il faut l'appliquer. Et si on l'applique, il y a des décisions de justice. Il faut exécuter ces décisions. Parce que la loi est l'expression de la volonté. La loi est générale et impersonnelle. La loi encadre le bien commun. C'est un garde-fou pour aller vers des objectifs. Si on commence à frauder,
à dribbler la loi, comme on dit en football. Alors, nous allons immerger. Nous allons immerger. Merci, Bernard. On va prendre la transition et passer au débat de fond de ce soir. Rentrée scolaire à demi-teinte alors, hein, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, si au niveau de Boya et environ, on a pu voir quand même que les choses reprennent peut-être timidement, mais bien mieux que dans le nord-ouest. On peut effectivement s'interroger dans un environnement de ville morte, d'échauffourée au niveau du village Kifem, dans le département du Mbuy, du côté de Kumbo. Première question à tous. Des informations qui remontent, quelle analyse faites-vous de cette reprise des cours dans ces deux régions spécifiquement, Bernard? Oui, ce que j'ai observé, partout, c'est un peu timide. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'élèves ou d'étudiants qui ne sont pas encore en train de vacances. Ça, c'est la première des choses. Mais particulièrement dans les deux régions concernées, il y a au moins quatre catégories de parents. Il y a ceux qui ont bravé la peur et qui ont amené leurs enfants à l'école. Il y a ceux qui ont peur et qui sont restés à la maison. Mais il y a une grande majorité qui sont sortis des deux régions pour aller inscrire leurs enfants ailleurs, en attendant de voir ce qui va se passer. Et même également, ceux qui sont restés à la maison attendent de voir. Il y a une quatrième catégorie qui rentre encore des vacances. Mais la volonté générale, tout le monde a compris que le droit à l'éducation est un droit inaliénable. Le droit à l'éducation est prescrit par l'article 28 d'une convention de l'Assemblée générale des Nations Unies du 20-11-99 que le Cameroun a ratifié le 11 janvier 93. C'est un droit que l'État doit protéger. C'est un droit qu'aucun parent ne devrait violer. Pourquoi? Parce que, vous savez, si vous êtes un parent et que vous attaquez à votre enfant qui est déjà majeur, il va vous dire, fichez-moi le camp, même si vous êtes son géniteur. Mais quand vous essayez de prendre en otage un enfant, d'en faire un bouclier, vous tuez cet enfant. Et tout le monde a donc compris que pour la deuxième année, ce serait une année de trop. La première année, c'était une improvisation, on ne savait pas bien où on allait. La conséquence n'avait pas été prévue. Maintenant que la conséquence était là, les gens se rendent compte de la gravité et tout le monde est partant pour envoyer son enfant à l'école. Cela signifie que si dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y a un seul parent qui a laissé son enfant à la maison, ce serait pour deux raisons uniquement. Soit il n'a pas du tout de l'argent pour l'envoyer à l'école, soit il n'est pas normal. Ellie Smith. Bah, moi, je crois que on va beaucoup parler de quelque chose. Moi, nous avions dit il n'y a aucune personne ici, dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui ne veut pas que ses enfants y vont à l'école. Vous savez que je le dis et je le maintiens, c'est le gouvernement du Cameroun qui a voulu que cette instabilité, cette insécurité perdure au Cameroun occidental, tout simplement parce que les leaders qu'ils devaient négocier avec, ils ont décidé à un certain moment de jeter. On a traversé cette phase. Oui, mais je vous dis, c'est important. Bon, maintenant, j'ai dit, parce que vous me coupez, vous l'avez laissé parler. Okay. Allez-y, alors, allez-y. Écoutez. J'y ajoute à votre développement. Merci, monsieur Dikita. Donc, je crois que quand vous aviez gardé des individus comme ça pendant une année à la maison et l'école n'a pas fréquenté, malgré qu'il y a des gens qui ont menti que les gens allaient à l'école, il fallait que
on accompagne les gens d'une manière psychologique. Si un enfant a fait une année sans fréquenter, le gouvernement devait aussi mettre le cadre pour encourager que les gens reviennent. Je vous donne encore un exemple que j'ai dit l'autre jour, je vais répéter. Quand le gouvernement envoie les forces d'insécurité, dont les gens qui ont violé les enfants n'ont pas été punis, et peut-être on reviendra sur le cas de dans le Bouy, croyez-vous qu'un papa ou une maman normale va demander que son enfant va, que le bourreau est en place? Non, je parlais que le gouvernement devait compléter sa panoplie d'apaisement. Ça veut dire que retirer les forces d'insécurité dans cette région, parce que quand vous mettez les gendarmes à JBHS Moutengene ou à Bouya, où vous militarisez tout le Nord-Ouest, est-ce que vous voulez... Moi, je crois que peut-être le gouvernement nous joue un jeu. Ils ne veulent pas que les gens vont à l'école. Si les gens veulent que les gens vont à l'école, on doit prendre les mesures appropriées, donc psychologiques aussi. Mais oui. Pour ajouter à votre développement, on a quand même pu observer également qu'il y a des menaces sur des populations. Il y a des gens qui ont créé d'ailleurs des établissements qui ont été incendiés, qui ont été brûlés. Il y a des enfants au début de la crise... en octobre ou novembre dernier, qu'on est venu sortir des salles de classe, des personnes non identifiées, des individus sont venus sortir des salles de classe pour les tabasser. On connaît, je crois qu'il y a une jeune fille qui a eu sa colonne vertébrale qui a été brisée. Donc, je veux dire que en observant votre développement, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui pourraient éventuellement justifier la présence des forces de défense et de sécurité dans ces zones. Je ne refuse pas. Je crois que comme c'est vous qui nous interrogez, je ne veux pas vous donner de rétorquer la même question, et que c'est bien vu, personne ne veut la violence. Et je pense que M. Achouki la connaît. Vous savez, au Cameroun occidental, il n'était pas comme le Cameroun oriental où il s'est tué entre eux. Voilà la raison par laquelle Indeli avait dit quelque chose, l'eau et de l'huile ne se mélangent pas. Là-bas, la politique a toujours été un gentleman, on ne se tuait pas, on ne brûlait pas les écoles. La question que je veux toujours vous poser est que personne ne veut pas que les écoles se brûlent. Personne ne veut pas la violence. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quand les gens qui brûlent les écoles, on ne les arrête jamais, mais on arrête à Gobala, on arrête les autres? Je pense que la violence a été des deux côtés. Si le gouvernement, dès le premier jour, on a violé les enfants, cassé leur matériel, vous n'avez rien dit. Maintenant, vous nous prenez ça, comme vous nous agitez ça comme un échantillon pour nous dire qu'on avait cassé la colonne vertébrale d'un enfant. Oui, la femme à Bamenda, qui avait empêché son fils de ne pas aller à la manifestation, on est venu le tuer à bout portant. Les agissations brutes de M. Atanganji à Commercial Avenue en décembre, vous n'avez rien dit. Moi, je pense qu'il y a un moment pour faire la guerre, il y a un moment pour apaiser les choses. Et une bonne chose, moi, je vais lui dire, je ne suis pas un politicien, forcément. Il y a quelque chose, je crois qu'à la fin, M. Biya a reconnu qu'il a commis les erreurs, il a commencé à élargir des gens. Il faut le faire tout, mais créer des moyens appropriés pour que les enfants puissent repartir à l'école. Ça veut dire que, premièrement, soyez honnête avec vous-même, enlevez les forces d'insécurité. C'est les gens qui font peur, ce n'est pas ces gens qui font les menaces, c'est les policiers et les gendarmes qui violent et que vous allez voir qui vont même racketter les gens dans les maisons, prendre, c'est ça le problème. Donc, moi, je crois que tout le monde veut que les gens vont à l'école, mais soyez un peu sérieux. Arrêtez de penser que les autres sont irresponsables et que vous êtes les anges, et pourtant vous êtes les pyromanes qui vous transformer en pompiers. Michel Méchou, vos observations au lendemain de cette première journée de rentrée scolaire. Je pense qu'il y a un problème. Je crois avoir fait un certain nombre d'analyses. Hein, et je dis, ce qui se passe dans la partie anglophone du pays, ce qui se passe au côté nord, à l'extrême nord, avec le développement, les combats contre le Boko Haram, il en résulte que dans des enquêtes, les écoutes que je fais auprès des citoyens camerounais, le problème qui se passe dans la partie anglophone et de tous ces côtés, et des autres côtés qui sont tout simplement des endormis, c'est que le problème, c'est M. Biya. Tout ce qu'on fait au nord-ouest, au sud-ouest, au nord, quand vous écoutez les Camerounais de manière confidentielle, ils vous disent que c'est M. Biya. Ce n'est pas... Il y a une fracture de système. Il y a une fracture entre une certaine élite, le système politique, et les gens de bas niveau. Donc, quand vous écoutez, je dis à ce que j'ai pu collecter des uns et des autres, aujourd'hui, tout ce qui se passe au nord-ouest,
Je trouve tout simplement, et mon cher confrère venait de le dire, que aucun parent consciencieux, et docteur Bogen, qui a développé tout à l'heure les dispositions de l'UNESCO sur le droit à l'éducation, je dis aucun parent, aucun un parent réfléchi n'accepterait pas de ne pas voir sa progéniture aller au contact du savoir. Donc, je pense que la manière avec laquelle on a réussi à vouloir établir l'apaisement au nord-ouest et au sud-ouest, la méthode adoptée n'a pas fonctionné. Peut-être parce que le système, au départ, comme le système est un système où plusieurs choses qui se sont passées, l'OTAN a fini par faire taire certaines revendications. Le contexte n'est pas le même. Aucun parent sensé, personne, et j'ai écouté le docteur Bogen qui disait il y a trois étapes. Effectivement, les parents qui ont pris sur eux de venir sécuriser leur progéniture dans le sud du pays n'ont pas mal pensé, hein. Peut-être parce qu'ils ont estimé que même dans ce qu'on a cloné dans les médias, que l'apaisement a été très mal amorcé. Et j'étais convaincu d'une chose. Après que j'ai écouté certains leaders qui ont été libérés, ils n'étaient pas dans la posture de venir dire que, bon, écoutez, même s'ils ont dit l'école, mais par derrière, les messages qu'ils ont balancés. Le système, on dit que ce qui se passe au Cameroun, c'est la résultante de la fraction entre les riches et les pauvres. Ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest et bien d'autres. Parce que d'autres régions ne se sont pas soulevées. Mais quand vous allez dans ces régions où qui sont supposées être en paix, le langage que les ressortissants de là te tiennent, et pour ne pas dire que même certains membres du gouvernement qui vous disent, quand vous êtes à deux, ils vous disent, mais la situation est très tendue, la situation, on ne comprend plus notre patron, on ne sait pas à quoi où il va. Non, en réalité, il faut se dire, il faut repenser la manière, l'approche. On a d'abord mis de l'argent au nord-ouest, au sud-ouest, pour tenter de vouloir amadouer toutes les élites. Les gens sont venus avec des sacs d'argent pour venir convaincre, corrompre, pour croire que les revendications pouvaient marcher à travers l'argent ou bien étouffer les revendications. Aujourd'hui, on a compris que l'argent n'a pas donné. Il faut revoir. On a libéré les leaders. C'est une très bonne chose que le président de la République a faite. Mais, quand vous voyez un peu les colonnes qui ont été adoptées pour qu'on y arrive, tout à l'heure, il a soulevé un certain chapelet, un nombre de choses. Peut-être que c'est là où on devrait trouver, entre-temps, avant et pendant que cela a été arrêté, qu'on essaye politiquement de gérer certains aspects de certains... Parce que le président de la République a accordé, hein, quand je lis certaines revendications du consortium, hein, on a même peut-être donné plus pour certains, selon ce qu'ils disent. Mais on dit qu'il y a des aspects. Et je dis que ce qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest, et bien dans d'autres régions, c'est un problème politique. Et c'est le problème au pays. Comme disent les gens, ils disent que c'est bien. Lendemain de rentrée. Oui, je suis pas de l'avis que ce problème a été causé par le gouvernement. Parce que nous sommes d'accord que c'était un problème d'abord coopératiste qui a été transformé, n'est-ce pas, par des extrémistes, et c'est un problème politique. D'abord, les gens que vous avez appelés les leaders ne sont pas des politiciens. Donc, je connais quelqu'un comme Maître Agbovala, qui est mon confrère de la politique. Donc, on ne peut pas dire qu'il a fait ce qu'il a fait à cause de la politique. Vous savez, les gens qui ont organisé cette histoire, qui sont tapis dans l'ombre, ne sont pas ici au Cameroun. Et comme ils ne sont pas au Cameroun, les mesures qu'ils prennent, n'est-ce pas, sont tellement négatifs dans le système. Mais comme ils ne le sentent pas, ils ne peuvent pas vous dire que, bon, j'ai demandé qu'il y a, par exemple, Vimont ou pour les gens dans l'école, ils ne peuvent pas s'en dire parce qu'il n'est pas ici au Cameroun. Ce que je peux vous dire, c'est le fait que la plupart des anglophones ont déjà envoyé leurs enfants dans les écoles dans la zone francophone. Vous pouvez remarquer qu'il y a des écoles anglophones qui ont jailli un peu partout. De l'école maternelle jusqu'à l'école secondaire. Un peu partout dans la zone francophone. Et les anglophones, la plupart, parce que je sais que les anglophones ne peuvent pas laisser son enfant à la maison
alors qu'il y a des écoles. La plupart parmi eux sont déjà dans la zone francophone. Et je peux dire, j'ai fait l'estimation parce que j'ai essayé de faire les rangs. J'ai dit, il y a à peu près 2 millions des anglophones qui vivent dans la zone francophone. Et très enfants, n'est-ce pas, y compris ceux qui viennent de, ceux qui vivent dans ces zones, sont déjà dans les écoles francophones. C'est là on peut expliquer un peu pourquoi il y a cette... cette humilité, voilà. Deuxièmement, moi, je n'ai jamais été d'accord. Je ne peux jamais être d'accord qu'on utilise les enfants, n'est-ce pas, pour bagarrer, pour lutter, n'est-ce pas, sur des choses politiques. Parce que j'ai demandé à un de ces gens-là qui marche, qui a marché là, qui était parmi ceux qui étaient arrêtés. J'ai demandé, mais dis-moi, la sécession, c'est même quoi? Il me dit, mais vraiment, c'est parce que nous sommes anglophones et les autres sont francophones. Il faut qu'on reste chez nous. C'est si simple comme ça. Donc, c'est vrai que la plupart de ces gens qui ont été n'ont même pas compris pourquoi ils sont même là. À l'heure actuelle, si vous remarquez même dans les villages, ces sicousses de parler à l'école n'est pas dû au fait que les gens ne veulent pas aller à l'école. Mais c'est parce que ils ont entendu que les gens de l'extérieur ont dit que il faut qu'on continue avec la vie morte, il faut qu'on envoie nos enfants à l'école. Or, ceux qui sont à l'extérieur, ils travaillent normalement. Tous les enfants sont dans les écoles, mais ils veulent que ceux qui sont sur le terrain subissent des sorts, n'est-ce pas, qu'eux-mêmes ne peuvent pas respecter. C'est pour ça que certains parmi nous ont estimé que ce n'est pas juste qu'on prive les enfants d'aller à l'école, alors que ceux qui demandent, ceux qui vont le demander d'autres, les gens qui estiment qu'ils sont les leaders, veulent le contraire, et donc ils disent quelque chose, ils disent, suis ce que je dis, mais ne suis pas ce que je fais. Ce n'est pas juste. Mais, dans un premier temps, le gouvernement avait décidé de prendre un ton un peu plus agressif. En disant que, ben, quand même, l'État, c'est l'État. On ne peut pas jamais mettre l'État à genoux. Mais étant donné que, avec le temps, beaucoup de gens ont compris, n'est-ce pas, le sens qui est donné, n'est-ce pas, à cette histoire des boycott des écoles, l'État a décidé, n'est-ce pas, avec ce que le chef vient de faire, de signer, n'est-ce pas, de donner les instructions, n'est-ce pas, pour qu'on libère un certain nombre de personnes. Et cela veut dire que nous sommes dans l'atmosphère de l'apaisement. Et lorsque on parle de l'apaisement, cela veut dire que ça doit être total et ça doit inclure tout le monde. Je ne pense pas que ça pouvait être possible, n'est-ce pas, de faire l'apaisement sans qu'il y ait une assise. Et parce que avant le commencement, il y avait eu des assises. Il est maintenant normal que ces assises continuent. Peu importe, n'est-ce pas, la façon, mais il faut une assise qui démarre, qui donne une démarrage, n'est-ce pas, de cette situation d'apaisement. Tant qu'il n'y a pas cette assise, il y aura toujours des incompréhensions, de telle sorte que, bon, on va seulement faire des présomptions, on ne peut jamais sentir la réalité des choses sur le terrain. Et j'ajoute encore pour dire ceci. Il y a un monstre qui a été crié, qui vous dit leader. Alors, lorsqu'on a accepté que les gens sont les leaders d'opinion sur un certain nombre de choses, c'est un monstre que vous entendez de crier. On a déjà crié ce monstre. Lorsqu'il faut parler, n'est-ce pas, des problèmes anglophones, à mon avis, la première personne qui doit parler des problèmes anglophones, c'est le premier ministre, qui est l'anglophone le plus haut gradé dans le système administratif. On peut vous opposer qu'il n'est pas un élu local. Non, s'il vous plaît, c'est lui que je regarde comme le leader. On peut vous opposer. On peut vous opposer le fait qu'il n'est pas. Est-ce qu'il a un mandat? Et voilà, qu'il n'est pas de mandat du peuple. Non. Les autres ont été choisis par qui? Ce qu'on appelle leader ont été choisis par qui? Au moins, l'homme d'ordre en fait preuve. Permettez à mettre. Il faut noter que. Cette histoire de mot d'ordre, c'est parce que lorsqu'on dit qu'on va couper votre enfant avec la machette, même si vous avez le moyen de protéger votre enfant, vous n'allez pas envoyer votre enfant à l'école. Donc j'ai estimé que ceux qui donnent ce mot d'ordre ne sont pas démocrates parce que vous ne devez pas me contraindre de vous suivre si je ne veux pas. Il faut me laisser la liberté de faire comme je veux. Mais ils ne veulent pas ça. Et ils ne veulent pas imposer, n'est-ce pas, le système en disant que non, soit c'est ça ou rien. Mais pour parler des leaders, le droit à la grève est un droit. Maintenant, oui.
le droit de la grève, c'est normal. Pour moi, c'est normal. Mais je ne veux pas. Je pense... Et c'est là où se trouve le problème. Parce qu'on va contrôler ceux qui ne veulent pas. Mais je pense que vous faites avec des menaces. Vous faites mauvaise lecture, peut-être parce que par vos attitudes partisanes. Personne. C'est comme ça qu'on parle. Non. Vous avez dit que vous aviez un constat de savoir que c'est malheureux que vous compreniez que ceux à qui l'État s'est adressé n'avaient pas mandat. Mais l'État a accepté. Non, maître, intellectuellement, vous savez bien que ça ne devrait pas se démontrer comme vous voulez le démontrer. Ça, c'est mon avis. Ça, c'est votre avis, mais je dis. Non, vous n'avez pas. C'est pas la poule de l'État. Michel. Moi, je pense tout simplement, même vous. Parce qu'on ne peut pas dire que si ceux-là, qui sont des artificiers politiques, aient accepté de parler à ceux-là, et qu'ils ont été d'abord sur une table pour négocier. Pour après sortir, dire que non, jusqu'ici, c'est nous qui détenions le pouvoir. Et que pendant que vous négociez avec moi, vous prenez des gens, vous les jetez en prison. Maintenant, je dis qu'il faut repenser. Aucun parent sensé et normal ne peut accepter que son enfant aille à l'école. Vous rappelez, vous étiez avec moi à Douala lors des émeutes. On n'a pas su d'où sont partis les émeutes. Donc, à Douala, plus personne, ni les leaders de partis politiques, personne n'acceptait dire que c'est lui qui avait concocté le début des émeutes, puisque personne, tout avait échappé à cela. Merci, Michel. Mais on va terminer. Vous savez, on était ensemble ici à Douala. Voilà. Lorsqu'il y avait les vies mortes et autres. Ça s'est terminé seul, non? C'est tout. À mon avis, si l'école doit reprendre, s'il n'y a pas de violence, les parents qui ne vont pas envoyer les enfants à l'école, laisse-les. Ceux qui veulent avoir les enfants à l'école, laisse-les aussi le faire sans violence. Les gens qui veulent ouvrir leur boutique, n'est-ce pas, pour ne pas suivre le mot d'ordre de vie et mort, laisse-les. Mais ne les contraignez pas de vous suivre parce que, en fermant leur boutique. Et c'est ça où là se trouve le problème. Si c'est moi, non, normalement, si vous voulez la vie morte, l'État, je demande à l'État, encourage-le dans la vie morte. Cela veut dire que. Personne ne sort, tout le monde reste à la maison. Ils vont rester pendant combien de temps? Monsieur le je voulais dire. Et vous savez, c'est parce qu'on a un état conscient qui estime que pour rester bien, n'est-ce pas, ça rien fait n'est pas bien. Donc l'État a décidé d'intervenir pour voir dans quelle mesure on peut régler le problème. Oui, pour assurer le droit à l'éducation. En regard au problème, il faut savoir que l'État a le devoir, n'est-ce pas, de prendre des mesures de sécurité adéquates, n'est-ce pas, pour qu'il n'y ait pas de violence. Maître Julius, pour que chacun exerce son droit démocratique. Peut-être que il faut noter que le droit de grève est dans notre système de droit. C'est normal. Oui, mais il faut noter également que vos droits, n'est-ce pas, comme un citoyen, terminent au bout de votre nez. Il ne faut pas dépasser. Lorsque vous Maître Julius, je voulais énumérer cet aspect de la chose qui tend à nous échapper. Je voulais rappeler à M. le député Tongo que en 92, au temps des mots d'ordre de Villemonte, vous étiez à Douala avec moi. Je fais partie. L'État avait conçu ce qu'on appelait la tripartite. Et de la tripartite, comme journaliste, je faisais partie comme personnalité indépendante. Et je fais partie de ceux qui ont signé. Cela ne s'est pas éteint. J'étais à l'hôtel Montfébé et à l'hôtel Hilton quand on m'a déménagé pour une prise de position en pleine assemblée devant les pères, son propre prisonnier, tout le monde. Il faut qu'on trouve un moyen de réunir, peut-être pour la crise anglophone, des valeurs. Parce que quand vous perdiez vos repères, on a fini par dire que la sortie du ministre Aboué Matshoï, qui avait été à son temps à Bouya, on a contrarié ça avec des insultes au sein de votre parti. Quelques leaders se sont... Parce que quand une république n'a pas ses repères, on finit... Ce ne sont pas des insultes, c'est des idées contraires. Non, écoutez, je n'ai pas dit que quand vous sommes là, c'est la démocratie. Non, nous sommes... Maître Julius, laissez-moi dire. Si on avait pensé qu'il faut réunir les acteurs, pas seulement laisser ce jour où j'ai vu certains leaders politiques se rendre à... Ceux qui sont considérés comme des leaders politiques se sont rendus au nord et au sud-ouest. Ils n'ont pas trouvé une solution. Et si on avait pu réfléchir qu'on peut réorganiser une petite tripartite, personnalité politique, personnalité
indépendante et membre de la société civile pour le problème anglophone. Peut-être qu'on aurait vu clair. On a oublié ce qui avait ramené la paix en 92, parce que c'était les débats dirigés par l'ancien premier ministre Ayatou. Et nous étions là tous, nous de la presse, nous étions peut-être trois à l'époque en 92. Et je me rappelle encore, et nous sommes sortis de là avec un document final qui a été exécuté, même si en dernière minute, signé par Frumbi, il s'était retiré en catimini pour dire qu'il n'avait pas laissé sa procuration et sa signature. Il faut bien que nous nous rappelions de l'histoire. Et le problème anglophone peut se traiter. Peut-être que ceux-là ont pris la posture. Plein qui sont là aujourd'hui n'étaient pas là en 92 et n'occupaient pas des postes influents. Donc aujourd'hui, on pense que c'est la force. C'est l'exécution de la force ou un autre type de discours. Je te propose, Maître Julius, toi qui es un acteur politique au sein du RDPC, qu'en 92, le RDPC venait de remporter l'élection présidentielle, ainsi que certaines élections. Mais on a trouvé mieux de réunir quelques têtes au Cameroun pour dire que asseyons-nous et discutons, voyons un certain nombre de choses. Mais justement, Bernard, est-ce qu'on n'est pas dans cette phase de... Parce que si on regarde un peu l'évolution, hein, il y a eu la crise, il y a eu l'interpellation des leaders... Ensuite, le gouvernement a commencé à répondre aux revendications sectorielles. Et puis, on a envoyé des missions à l'étranger pour expliquer aux Camerounais de l'extérieur. Là, on libère des leaders de certaines autres personnes. Est-ce qu'on n'est pas justement dans l'amorce d'une voie vers le dialogue? Ça, c'est un pan de lecture. Mais par ailleurs, tout le monde espérait que... parce qu'on a longuement appelé à la libération des personnes qui étaient interpellées dans les manifestations. Tout le monde espérait que la décision du chef de l'État allait être, j'ai failli dire, universelle ou concerner tous ceux-là. Seulement, le président a choisi 54 personnes qui ont été libérées, sur près d'une centaine. Et voilà que de nouvelles voix se lèvent pour dire, attention, c'est un résultat de mi-teinte. Oui, je voudrais dire que à propos de la libération des personnes, c'est vrai qu'aujourd'hui, même si on finit de libérer toutes ces personnes-là, le problème demeure entier. Permettez-moi de m'expliquer. Vous avez à peu près quatre catégories de personnes dans le nord-ouest et le sud-ouest, avec des objectifs pour le moment qui n'ont pas pu concilier. Quelles sont ces catégories? Il y a les partisans du sécessionnisme. Il y a les partisans du fédéralisme. Il y a les partisans d'un État unitaire centralisé. Il y a les partisans d'un État unitaire décentralisé. Et je voudrais vous dire que actuellement, Elie Smith parlait tout à l'heure à juste titre de la démilitarisation. Beaucoup évoquent cela. Mais vous savez, avec les sécessionnistes, il y a une vulnérabilité de la zone. Il y a une fragilité, une corruptibilité de la zone par rapport à une infiltration terroriste. Sachez que les groupes terroristes marchent de par le monde et cherchent des parcelles de territoire prenables. Et qu'il suffit qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent porter ou essayer de porter certaines revendications des populations de ces zones, et ils réussissent à s'infiltrer. C'est le cas dans le nord-ouest. C'est pour ça que vous voyez, permettez-moi d'avancer. C'est exact ce que vous dites là. Allez-y. C'est le cas dans le nord-ouest, vous pouvez établir qu'il y a des groupes terroristes qui sont établis. Je n'ai pas dit qu'il y a des groupes terroristes, je dis que les groupes terroristes cherchent comment s'infiltrer. Je dis cherchent comment s'infiltrer. Et c'est le cas. Je dis, écoutez, mais bien sûr, ce que je dis, écoutez-moi, je dis que de par le monde, dans le monde entier, oui, dans le monde entier, les groupes terroristes circulent partout. Ils cherchent des territoires dans lesquels ils peuvent s'installer. Ils cherchent des personnes qui peuvent instrumentaliser. Et sachez que le SCNC est un groupe instrumentalisable. Oui, je l'affirme. Vous croyez que d'où sortent les brûleurs, ceux qui brûlent les maisons là, vous croyez qu'ils sortent d'où? Il y a plus terrorisme que d'aller incendier une maison, que de tuer. Ça vous engage. Que de tuer. Oui, je suis en train de dire, je parle de la science. Je vous dis que la science dit que les groupes terroristes circulent de par le monde cherchant des territoires prenables. C'est parce que Boko Haram a estimé que le bassin du lac Tchad était prenable.
qu'ils ont senti qu'il y avait quelque chose de possible là-bas, qu'ils sont venus s'installer. Mais je vous dis donc que les groupes terroristes qui rôdent cherchent des moyens d'infiltrer et ils cherchent des territoires où ils vont s'installer. Alors vous le dites pour justifier la présence des... Oui, oui, les militaires sont là-bas, pas par rapport aux citoyens qui sont à l'intérieur, mais ils sont là pour protéger l'entrée, pour éviter que des groupes terroristes n'en profitent pour rentrer, créer le chaos. Ils sont là pour protéger les personnes et les biens. Je disais tout à l'heure, donc, par rapport à ces quatre catégories, si vous avez des gens qui veulent la sécession, et qui, je crois, la plupart de ceux, parce qu'il y a aussi deux sous-catégories, ceux qui demandent d'utiliser la violence et d'utiliser les enfants comme bouclier, et ceux qui disent non. Mais le rapport de force est tel que la violence est d'un côté. Et la violence étant d'un côté, la peur se retrouve de l'autre côté. Donc ceux même qui ont la volonté, parce que les autres fonctionnent avec la violence, ils ont peur. Je disais donc que face à toutes ces situations-là, il faut pouvoir réussir, parce qu'on a fini de résoudre les problèmes sectoriels. Maintenant, c'est le problème politique de fond là qui demeure. Même la libération, je suis sûr que ça va se faire. Mais il faudrait bien qu'à un moment donné, que les gens se rendent compte que, en réalité, si on cherche seulement à les satisfaire, il y aura toujours un groupe qui ne sera pas satisfait. On ne peut pas réussir à satisfaire tout le monde. Et donc la solution, c'est dans l'application de la loi et dans le respect des droits. Respecter les droits, c'est respecter le droit des enfants à l'éducation. L'application de la loi, c'est par exemple la loi sur la décentralisation. Il faut l'appliquer. Il faut appliquer toutes les autres bonnes lois qui ont été votées. Il faut appliquer les lois, par exemple, sur la gestion de la fortune publique et procéder à des sanctions. Parce que c'est aussi un problème de... La déclaration de l'article 66. Bien sûr. Il faut appliquer tout cela. Parce que vous allez voir que si nous nous mettons à appliquer nos bonnes lois et à changer les mauvaises lois, nous allons avoir une coexistence pacifique. Et les conditions de vie des citoyens vont se trouver améliorées. Parce que tenez-vous tranquille, si les conditions de vie, les gens avaient senti que le gouvernement fait effectivement tout ce qu'il peut pour eux, s'ils avaient cette impression-là, s'ils avaient toutes les données, ils ne se mettraient pas à faire certaines revendications. Or, pour que le gouvernement atteste de sa bonne foi, que je fais tout ce que je peux, c'est que les lois qui, quelque part, sont traduites en termes politiques par des politiques publiques, on a l'impression qu'il y a une mauvaise foi implémentée, justement parce que sur notre gouvernance, c'est greffer un système de criminalité organisée, un système mafieux qui détruit énormément et qui paralyse tous les projets possibles. Vous avez là-bas dedans le chantage, le trafic d'influence, les assassinats. Mais il faut appliquer la loi. De manière excessivement rigoureuse. On a tué la mafia en Italie. Je voudrais dire au docteur Boghem que ces analyses me vont tout droit au cœur parce que je pensais que nous avions une barrière d'approche. Hein. Mais ce qu'il sache, c'est que nos frères anglophones ont des revendications politiques. Il faut trouver des solutions politiques. Au-delà, et je vous ai dit d'entame ici, quand nous abordions les problèmes, que la subtilité politique qu'on a utilisée dans ce pays pour régler les choses ne sont pas facilement adaptables au contexte anglophone. Eux, au moins, les anglophones savent dire « niet ». Les francophones te vendent pour 500 francs, ils te liquident et te coupent la tête. Au moins, les anglophones savent se tenir la main. Et ça, je pense que ça peut faire avancer les choses. Voilà. Ça peut faire avancer les choses parce que j'estime que quand vous voyez comment les lectures politiques se sont faites, et je peux prendre des exemples, hein, peut-être parce que j'ai pu faire ces études, à comprendre la société.
parce qu'il y a une espèce de manque de communication. Tout à l'heure, j'ai suivi Julius, Maître Julius parler d'un leader tel que le Premier ministre. Quand il y a quelqu'un qui n'est plus écouté, on trouve quelqu'un d'autre qui est mieux écouté, qui n'est peut-être pas celui qu'on pense que politiquement et administrativement écume, assure une fonction. On vient, vous allez, je suis convaincu que dans tous nos comtés, Julius, si tu sais comment tu t'es impliqué pour des choses de ton coin, c'est toi qu'on va écouter. Mais ce n'est pas le fait que le décret fasse de toi un leader. Le décret te fait le leader pour un temps, parce que le jour où on te dépose, le décret n'est plus là. Tu te sens tout bas. Et tu ne peux plus parler pendant que la continuité des propos devait s'exprimer. Et je dis bien que nos frères allophones, au moins de ce côté, parce que nous, nous étions en prison ici en 94 avec Ndiaye. Et je vois au moins les revendications, parce que nous avions écrit, nous avions dit, dénoncé. Les anglophones nous ont montré quelque chose. Moi, je ne voyais pas un des miens, je ne pas dire un bas-moi venir en prison voir que non, c'est un frère du mal. Mais je voyais certains étaler leur solidarité envers leurs frères. Les autres, pour 10 000 francs, vous êtes liquidés. Au moins, les anglophones nous donnent un bon enseignement. Qu'on peut rester solidaire et revendiquer. Au moins, ce côté, c'est une lecture personnelle, mais par rapport, et ça peut faire avancer les choses. Ça peut faire avancer les choses. Personne n'est d'accord que les gens prennent les enfants en otage. Notre vœu, c'est de voir tout simplement utiliser, parce que ce que le système BIA a utilisé depuis, c'est la corruption, c'est des méthodes antidémocratiques. Et quand je vous entends parler, tant que la justice, tant qu'un certain nombre de choses ne seront pas prises en compte pour éclairer la société camerounaise, je dis bien que je ne suis pas de l'avis de ceux qui pensent qu'il faut aller brûler les emblèmes, brûler les écoles, ce n'est pas ça. Mais au moins, la seule chose que j'ai retenue de ce que font les anglophones, c'est qu'au moins eux, ils savent rester derrière leurs frères pendant les moments difficiles. Et quand le régime constate que ça peut capituler, ils feront mieux de concessions. Et j'ai dit tout à l'heure que j'ai pris un exemple d'approche qu'on a faite en 92. Je suis un acteur. Je sais tout ce qui s'est passé. Mais vous terminez, exclu le régime. Non, je dis. Non, je dis que c'est un enseignement. Il n'y a pas une question de régime. Okay. Donc, on veut dire que les anglophones font partie de ce même régime. Ceux-là qui appartiennent ne sont plus reconnus par les leurs. Au moins, ça, il faut qu'on se le dise. Puisque sinon, tout ce que les Atanganji, tout ce que les Achille Hachou, tout ce que Biya a produit dans son régime, hein, et qui sont allés dans la zone anglophone. Personne ne les écoute. Donnez-moi une minute pour chuter. Oui, terminé. Oui, je disais tout à l'heure que l'application de la loi est d'une importance capitale. Pourquoi je dis cela? Parce que les gens vont jusqu'aux conventions de Fumba. Or, les conventions, la convention, c'est la loi des partis. Il faut l'appliquer. S'il y a une convention, il faut l'appliquer. Parce que c'est la loi qui encadre le bien commun, c'est la loi des partis qui encadre la coexistence pacifique. Et quand nous allons à l'Assemblée voter nos lois, si cette loi est l'expression de la volonté générale, si cette loi a un caractère général et impersonnel, alors cette loi c'est un garde-fou. Cette loi porte en elle-même des objectifs que nous voulons atteindre. Tous les principes que vous sortez là, vous avez l'impression qu'ils ne sont pas appliqués, c'est ça? Mais prenez la loi sur la décentralisation, prenez l'article 66 de la Constitution. On vous conforte un peu, Michel. Et... prenez d'autres choses. Mais bien sûr... Est-ce que le gouvernement était pour beaucoup dans ce qui est... Oui, nous sommes... Quand on dit le gouvernement, vous comprenez, ça ne suffit pas. Dites les Camerounais comme lui dit là. Le Camerounais, en général, il est faux. Il est faux en général. Et regardez comment les gens dribblent la loi. Allez en route là, vous avez une voiture, vous circulez, non? Vous voyez comment les gens vous rentrent dedans à tous les coups. Ils violent le feu rouge. Donc, maître, tu sais bien. Et je pense que l'équipe politique faite d'Ipita, maître le sait, je l'ai suivi. Depuis le début de la crise, je ne suis pas allé sur un plateau parler. Parce que je pense que le temps est écouté, analysé. Je dis, maître, je le sais, que s'il y a le problème anglophone, si on touche des cibles crédibles et vous pouvez donner certains noms. Écoutez,
Pourquoi voulez-vous que je donne les noms? Ils sont crédibles, non? Vous avez cité certains cibles qui ne sont pas crédibles. Les cibles crédibles, ce n'est pas des gens qui se pavanent par décret présidentiel. Beaucoup ont cité par exemple le cardinal Toumi. Je ne veux même pas citer le cardinal. Il y a des gens qui sont dans la société au service des autres et à l'écoute des autres. Dans ce département et dans cette région. Qui n'ont pas une fonction administrative. Mais qui peuvent parler et les gens écoutent. Je suis convaincu d'une chose, qu'à la tripartite, il a fallu que nous que les gens se réunissent. Et du côté, il y avait le père Mouna, il y avait plein de gens qui étaient à la tripartite. Et Dieu seul sait la lecture que les gens se font. Je vais prendre un exemple basique, monsieur Dictat Tongo. Parce que si j'ai écouté, j'ai pris une famille, la famille Moukété, je sais qu'il y a 7 enfants. Je prends la famille Mouna. Je prends leur enfant, je prends sa progéniture, je prends une autre famille. Ces gens qui ont assumé des hautes fonctions administratives ou politiques, je ne vois aucun de leurs enfants fonctionnaires. C'est des opérateurs économiques. Et à travers ce qu'ils posent comme acte dans le domaine économique, ils ont été faits des grandes études en Europe, même si quelque part, on prétend dire qu'ils ont bénéficié des avantages de la nation. Ils ont de l'argent du contribuable pour aller faire leurs études. Ça, c'est notre argument. Mais quand on voit les anglophones parler, j'ai dit qu'il y a une espèce de fracture entre les fonctionnaires, et c'est même pas seulement dans la partie anglophone, hein. Chez moi, partout, entre les fonctionnaires qui pensent que le décret fait d'eux des hommes omniscients, omnipotents, et c'est ce qui terrorise le régime Biya, où aujourd'hui les gens en sont à dire que le problème c'est Biya. Parce que ce qui se passe, et quand tout à l'heure Dr. Bogen développait le fait de ne pas appliquer le droit est un facteur important dans une société, c'est que les gens sont tétanisés, stomaqués, pour ne pas comprendre que les choses n'avancent pas. On donne l'impression, on te contraint à voir que le blanc est le noir. Donc c'est ça notre société. Et il faut qu'on le dise, depuis que le problème anglophone existe, est-ce qu'on a abordé des gens crédibles, au lieu de s'empêtrer sur des attitudes ou bien la prise en compte des fonctionnaires? Je suis sûr, quand vous me demandez de citer les noms, et vous aviez cité le cardinal Toumino, j'ai dit que vous êtes allé très loin au sommet, mais on peut prendre des gens qui se font écouter dans leur coin, et qui n'apportent qu'une simple contribution du fait qu'ils partent s'asseoir souvent le week-end dans les bars à Bamenda, et ils causent avec les uns et les autres, ils apprennent les souffrances des uns et des autres. Cela peut venir dire un mot. Donc, voilà un peu une première. Alors, Elie, l'heure est a priori à l'apaisement. Tous les discours essayent, même les leaders qui ont été libérés à travers leurs avocats, Maître Bernard Mouna et Maître Charles Tchungan, ont quand même rappelé les uns et les autres à beaucoup plus de responsabilités, inviter les parents à laisser les enfants aller à l'école. Que peut-on faire de plus? Déjà, il faut terminer ces villes mortes. Parce qu'on y est toujours, lundi, mardi et je crois mercredi. Il faut davantage rappeler les parents à leur responsabilité de renvoyer les enfants à l'école. Que peut faire l'État encore ou de plus pour peut-être définitivement résoudre ce problème, tant il est vrai qu'on pourrait le faire définitivement? Et que peut faire la partie d'en face pour qu'on en sorte? Non, premièrement, je crois que c'est quoi ce maître Achou qui a dit, il connaît la réalité, qui a dit, ce que je pense, c'est que tous les prisonniers qui ont été arrêtés injustement à cause de problèmes anglophones doivent être libérés sans condition. Une pause, s'il vous plaît. Maître, c'est vrai, on va parler, on ne va pas scruter le décret présidentiel. C'est encore possible. C'est vrai qu'ils ont rendez-vous le 28 septembre au tribunal pour les autres. Mmh. On pense qu'on pourrait faire quelque chose dans ce sens. C'est possible. C'est... Pourquoi pas? Ok. Pourquoi pas? Allez-y. Non, ça me rassure quand Maître, qui est membre du RPC, dit que le RD. Et j'ai fait exprès de vous stopper là parce que je sais qu'il est très, très, très impliqué dans ces questions. Vous savez, je ne peux pas discuter d'un dossier dans lequel je suis. Non, je suis. Mais quand cela ne tient à la lutte que vont les choses, n'est-ce pas? Et croyez-moi, votre réponse me satisfait. Le décret que le chef d'État a signé, n'est-ce pas, c'est pour annoncer l'apaisement. Absolument. Lorsqu'il y a l'apaisement, tout est possible. Élie. Voilà. Donc, première mesure d'apaisement, c'est que tous les prisonniers, vous avez dit 100, ils sont 104. Je vous rappelle, il y a un papa qui a 75 ans, il s'appelle Chi Che Joseph.
il a été pris chez lui avec son beau frère qui n'a rien à voir dans la politique et amené à Bamenda. Il est même malade. C'est la troisième ou la quatrième fois que vous l'avez dit. Oui, je le dis parce qu'il y a eu une cruauté que le gouvernement camerounais a manifestée vis-à-vis des anglophones. Et je pense que comme on est dans la, le sens de l'apaisement, non, je répète... Vis-à-vis des Camerounais. Non. De la non, zone. Non, voilà. C'est, il n'y a pas de cruauté dans ce sens. Et il y a une approche partagée même par les francophones. Mais il faudrait éviter de particulariser. Au-delà des Camerounais, je rappelle la situation particulière quand même dans laquelle la zone... Il y a une situation de troubles qui a été constatée. Qui a été constatée. Et puis les gens... Peut-être il y a des dégâts collatéraux, je peux vous l'accorder. Mais vraiment être aussi ciblé... Par comparaison, je vais vous donner un exemple. Il y a quelqu'un que je crois mettre qu'on a le droit de manifester. Absolument. Quand les avocats ont manifesté à Victoria et à Bamenda et à Boya, on les a bastonnés correctement. Et quand à Yaoundé, les maîtres qui ont fait ces 6 ans sans être payés, on les a encadrés, on ne les a pas touchés. Ça veut démontrer que quand un anglophone monte non, sa non, tête, non, non, on le non, tape. Non, je Élie. Le dis et je répète. Non, Élie, non. Je crois qu'on va dire. On va faire des. Vraiment, il ne faut pas particulariser. Moi, je suis un peu épidermique. S'il te plaît, Élie. Parce que je pense que nous discutons, on débat sur un sujet où nous prenons en compte la problématique des Camerounais. Il n'y a pas de complot contre les anglophones. Il n'y a pas de complot contre les anglophones. Parce que moi, mes enfants fréquentent dans la zone anglophone. Moi, je ne les ai pas estipés pour les ramener ici. Ils sont là-bas, mais je pense pas, que... C'est pas, non, c'est, non, je le comprends parce que pour les inscriptions, pour les enfants, il faut noter que la plupart des parents francophones envoient les enfants à Boya et à Bamenda. Oui. Mais il sait que lorsqu'il y a la rentrée, il y a au moins... Les Vatican, les voyages, les costels, là. Oh oui. Il y a au moins une dizaine qui partaient sur Bamenda. Les cortèges. Pourquoi il ne part plus? C'est la première. Parce qu'on constate que les francophones ont plus peur, n'est-ce pas, d'envoyer les enfants que même les anglophones. Je vous dis qu'à l'heure actuelle, les écoles ont commencé. Et si vous allez là-bas, il n'y a que les enfants, les anglophones qui sont là. Mais les francophones qui sont. Comme vous. Moi, j'ai laissé. Vos enfants ne sont pas comme moi. J'ai laissé. Envoyez vos enfants. Moi, j'ai laissé mes enfants. Ces enfants n'auront pas de problème. Envoyez vos enfants. J'ai laissé mes enfants à Bouya. Parce qu'à ce que j'ai compté quand mon fils était là. Il va penser qu'on a ça. Au moins, le bus avec ses indices. Élie, je voudrais qu'on soit clair. Non, je comprends que. Je comprends que Élie a sa passion dans l'approche que je partage, mais que j'estime tout simplement. Je voudrais qu'on soit. De particulariser. De stigmatiser. Voilà. Élie, pourquoi qu'on stigmatise? Écoutez, je suis. Je sais que vous êtes responsable de vos propos. Je suis droit dans mes bottes et je ne viole aucune loi. Oui, mais vos bottes. Pourra nous engager. Vous avez une paire de. Vous avez une mesure de choses. Donc, est-ce que nous sommes à Harare ou à Asmara ou à Pyongyang ici? Non, du tout. Je pense que. Il y a une bonne chose au Cameroun. Étant au Cameroun dans un système de liberté, nous sommes quand même encadrés. Non, il y a une bonne chose au Cameroun, c'est qu'on n'est pas en Guinée équatoriale ici, on n'est pas au Congo ou à Asmara, les pays dictatoriaux que j'ai dit. Ce n'est pas pour autant qu'on va dénaturer les noms. Je ne dénature pas les choses, monsieur. Je vous donne un exemple. Aviez-vous. Non, écoutez, monsieur, laissez-moi quand même exprimer. Je vous pose une question très simple. Est-ce que c'est vrai ou faux que quand les avocats sont partis manifester à Victoria et à Ibuya, on les a humiliés, bastonnés, et que quand il y a eu une manifestation à Yaoundé, elle n'a pas été comme ça. C'est vrai ou faux? Bon, question simple. Merci. Je vous renvoie. Non, j'ai... Et je reviens. Non, Élie, oui. Sur la question. Voilà. Ces avocats qui sont allés manifester, avaient-ils l'autorisation de l'autorité préfectorale? Ben voyez-vous, vous savez que la loi attendait. Ils étaient encadrés même par les autorités. Et bon. Voilà. Donc pour ça, ils étaient encadrés par les autorités. Et on ne se comprend pas ce qui s'est passé. Voilà. Et à Victoria, qu'est-ce qui s'est passé? À Mouyouka, on n'a pas tapé les gens. Non, il y a un problème. Moi, je crois que quand on veut résoudre le problème du Cameroun, je veux vous dire, parce que vous aimez toujours mettre les couleurs, ça ne marche pas. Et pour que ça puisse marcher au Cameroun. Oui, je veux comprendre. L'approche que tu fais, parce que je t'entends parler de... Quelle fausseté, monsieur? Scientifiquement, je m'explique. Non, quelle fausseté vous dites? Scientifiquement, n'est-ce pas? Vous n'avez pas le monopole d'utiliser des n'importe quel... On ne peut pas frapper 10 personnes. Oui. Si on frappe 10 anglophones, vous n'allez pas extrapoler à partir de 10 et dire que, même dans le cadre de sondage, ça ne se passe pas bon, comme ça. Quand je crois que... Quand on choisit... Vous on frappe 10 personnes, vous dites qu'on a frappé tous les anglophones. Ce n'est pas possible. Monsieur, donc, dites pas que parce qu'à Bamenda, écoutez-moi, quelques monsieur, individus ont manifesté. Hein, et quand on les a frappés, ça veut dire qu'on a frappé tous les anglophones. Vous savez combien sont les anglophones?
Ils sont au moins 5 millions. Hein. On a frappé 5 millions. Et que faut-il faire de plus? Non, je pense que scientifiquement, il y a une certaine manœuvre à ne pas me laisser m'exprimer. Et quand il y a des faussetés, non, monsieur, je ne manque pas. Il y a des images qui existent. Non, Bernard, permettez que vous permettez. Je vais revenir dessus. J'ai constaté, monsieur, quand on voit votre body language, on sent que vous êtes quand même un petit despote. Vous voulez imposer votre on est dans un débat, monsieur. Oui, mais dans le débat, on va rester sur les propositions gardées. Non, voyez-vous, non. Petit despote. Non, je suis, non. Le problème est qu'il n'a pas le droit. C'est un homme politique. Non, je suis d'accord. Et que lui, on ne peut pas le lui dire, c'est ça. Non. Alors, mais je pense qu'il y a un problème. Nous voulions tous qu'il y ait un apaisement. Mais l'apaisement veut dire que vous n'avez pas le droit. Le problème qui vous dérange, monsieur, est que vous pensez. C'est ça qui fait que les francophones comme vous, je dois le dire, vous avez toujours cru pendant longtemps qu'un anglophone, c'est un béni. Oui, vous avez fait n'importe quoi. Et je crois, monsieur Moussa, vous avez dit quelque chose. Quand les anglophones veulent quelque chose, ils vont l'avoir, que vous montez, vous descendez, parce que les anglophones sont camerounais. Et ce qui se passe actuellement là-bas est que personne ne veut pas que les enfants ne vont aller pas à l'école. Je vous dis, on peut pérorer d'aujourd'hui au lendemain. Si le gouvernement est sincère et il veut, les mesures d'apaisement est que quand les gens ont fait une année sans fréquenter, malgré qu'il y a les médias qui ont menti ici et ont dit que les enfants fréquentaient, il y a des mesures d'accompagnement. Et maintenant, les gens à parler avec eux, ce sont ces leaders qui ont été arrêtés abusivement et jetés dans les geôles du Cameroun. C'est à eux à être discuté. Je crois que M. Joss a dit quelque chose tout à l'heure qui est vraiment fondamental et vous avez aussi dit, il faudra qu'à un certain moment, on s'asseye et on discute sur la forme de l'État. Parce que les anglophones, ils peuvent mentir, comme on dit. Une chose est que ces soi-disant élites que M. Julius a cité. Moi, je vais utiliser le terme d'un monsieur qui s'appelle M. Albert Moukon, qu'il connaît très bien. Il avait écrit un livre qu'on appelle « Prisoners Without a Crime ». C'est la bourgeoisie comprador collaborationniste anglophone qui est en Yaoundé, qui ment régulièrement et qui ne reflète pas la réalité qui est au Cameroun occidental. C'est même pas moi qui le dis, monsieur sénateur Moki Charles, il vient de le dire dans un journal, vous pouvez aller à Victoria Abuya demander que le problème anglophone qui existe, et j'invente rien, moi je veux que ça soit apaisé, est tout simplement que eux, ils ont failli à leur rôle en tant qu'élite. Et c'est tout à fait normal qu'une nouvelle renouvelation de l'élite anglophone se fait. C'est les Mancho BBC, c'est les Agbobala, c'est les Docteurs Fontaine. C'est eux qu'on doit discuter. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'une revendication corporatiste a commencé. Vous discutez avec des gens et vous les jetez en prison et vous voulez qu'elle se passe. Et on me dit qu'on a appliqué la loi. Mais je crois qu'eux-mêmes, ils veulent que les gens vont à l'école. Pour que ça soit apaisé, les anglophones ne sont pas des terroristes. Les militaires, s'ils veulent être là, qu'ils restent dans les casernes. Il ne faudra pas que, par exemple, ils commencent à faire comme ça se passe dans le village. Est-ce que vous savez, donc, s'il vous plaît, sans vous couper, est-ce que vous savez, il y a des gens qui sont partis chercher les armes qui parmi ceux-là? Non, écoutez, vous n'avez pas jamais. Non, en tant que journaliste, je vous demande, n'est-ce pas, d'aller chercher à voir le dossier avant de parler d'un certain nombre de choses. Parce que. Parmi ces gens-là qui ont été en Bastille, il y a ceux qui sont partis chercher les armes pour organiser les guerres. Comme les qui, par exemple? Non, monsieur, je ne suis pas les contacts. C'est un juge. Viens au tribunal. Monsieur. Vous parlez de mon dossier. Vous ne parlez pas à désordre comme à la télé. Donc moi, je parle à désordre et vous parlez en ordre, monsieur. Non, je pense que. Non, moi, je veux vous répondre de tic au tac. Si vous me parlez avec condescendance, je vous réponds aussi. Moi, je crois que. Monsieur Moussala, est-ce que nous voulions que ça s'apaise ou pas? Nous voulions que ça s'apaise. Donc, Monsieur Julius a dit quelque chose ici de très important. Si vous vouliez que ça s'apaise, on a commencé à faire les libérations d'un certain nombre de leaders anglophones. Qu'on négocie. On doit s'asseoir. Pourquoi ils sont allés en prison? On discute encore. Les discussions doivent se faire. Et deuxièmement, tous les prisonniers politiques anglophones qui sont en détention à Yaoundé doivent être libérés sans condition. Troisièmement, est que les forces, je répète, d'insécurité qui sont là-bas doivent soit être casernées, parce que eux-là, vous voulez qu'ils vont à l'école? Moi, si j'ai mon enfant, que je vois le policier ou le militaire qui a violé ma fille, qui est là, qui se balade partout, on n'a rien fait, j'aurais peur. Donc si le gouvernement veut,
on peut raconter ce qu'on veut. Même les leaders là sont quand même apaisants parce que s'ils sortaient en prison, ils avaient le droit de dire que c'est la casse. Et un, ils ne sont pas des sécessionnistes. Et deuxièmement, même le SCNC là que vous dites, ce SCNC a gagné un procès contre le gouvernement du Cameroun au tribunal de la Cour des droits de l'homme à Banjul, tout le monde le sait. Moi, je pense que les sécessionnistes sont des minorités dans la communauté anglophone. Il ne faudra pas qu'on croie qu'ils sont la majorité. Et si aujourd'hui, il y avait un groupe des anglophones même qui était apaisant, s'il y a eu ce revirement, il y a pas même des 92, aujourd'hui, aux gens qui sont devenus extrêmes, c'est tout simplement parce qu'il y a une roubladise et les anglophones ont été roulés dans la farine. Et je répète ici, il y a deux choses que les anglophones ne vont pas accepter. Un anglophone qui le dit, il vous ment. Ils ont tout perdu pendant 56 ans, mais il y a deux choses, leur système éducationnel et le système judiciaire. On peut monter, on descend, c'est ça. Donc, moi, je veux que les enfants vont à l'école, mais soyons sérieux, enlever ces policiers et les militaires qui sont là-bas, garder-les dans les cadres. Je vais te reprendre, moi, à ce niveau, parce qu'en réalité, je ne vois pas en quoi la présence militaire, peut-être qu'elle est un peu très forte, mais je pense que j'ai vu la ville de Douala qui, au contraire, en 80, avec les revendications de 92, on avait renforcé l'aspect sécuritaire. Et ça nous permettait, nous autres, d'aller au moins dans nos bureaux. Ça ne nous gênait pas de voir les militaires avec des falles en bas de nos rédactions. Non, moi je pense tout simplement qu'il faut revoir. Je t'ai dit, j'ai donné ma lecture de ce que tu... J'ai dit qu'il y a un problème de revendication politique. Il faut des réponses politiques. Et à cela, le maître Julius, on est tous d'accord au moins sur ce plateau, que est-ce que la rétention des enfants dans nos domiciles, ne pas les envoyer à l'école, est l'une des solutions au problème? Non. Mais je dis qu'il y a des problèmes de fond. Et je dis que, d'une manière ou d'une autre, pour moi, la présence militaire est exagéré quand on voit ce qui se serait passé hier à Kumbo. Je pense que les populations, en ce qui me concerne, se seraient senties au contraire. Hein? On peut diminuer les effectifs, mais que les populations se sentent rassurées. Parce que, en fait, celui qui redoute la présence d'un militaire à côté de lui, c'est peut-être celui qui a quelque chose à se reprocher. Mais moi, non, ça c'est une autre logique. Mais il y a des gens qui n'ont jamais vu une telle présence militaire. Moi, au contraire, quand j'ai un policier à côté de moi, c'est là où je me sens en sécurité. Les anglophones n'ont jamais eu ce genre de situation. Non, laissons une histoire d'anglophone. Je ne peux pas prendre sur lui actuellement la responsabilité. Je vous le dis. Docteur Boguen. Si on pouvait prendre cette responsabilité, les militaires qui sont là-bas coûtent cher à l'État. Voilà. L'État ne peut pas prendre la responsabilité d'enlever les militaires. S'il y a un massacre, s'il y a un... Parce qu'il peut avoir... Qui va en répondre? Parce qu'en réalité, toutes les analyses, toutes les approches qu'on peut se faire, ce que dit le docteur Boguen, je peux adhérer à ça parce que d'une manière ou d'une autre, la réaction humaine peut se développer en une minute entre ceux qui sont partisans de laisser les enfants si l'armée décide de tourner. Hein? Si, on ne sait jamais. Parce que nous avions vu à Douala ici lors des émeutes de février, personne n'avait, j'étais présent à 4 heures quand démarraient les hostilités parce que j'étais au bouclage et je sortais de l'imprimerie. J'étais loin d'imaginer de voir quelqu'un porter 3 écrans sur sa tête. Et j'ai vu 2 personnes porter une voiture. Donc, en réalité, avec les mêmes. Donc, en réalité, la présence, non, c'est vrai, on peut rire, mais la présence, vous savez, on ne sait jamais ce qu'une société peut développer comme haine dans cette injustice caractérisée, dans cette inconfortabilité sociale. Parce que, entre frères, quelqu'un peut décider que, bon, entre-temps, on s'était dit ici que personne n'envoie l'enfant à l'école. Bon, les militaires tournent le dos, la gendarmerie tourne le dos, les policiers repartent. L'autre restait dit que, mais quand on avait donné le mot d'ordre ici pour que personne ne parte à l'école, toi, tu as envoyé tes enfants à l'école. Et puis, c'est quelques petites engueulades et tout est parti. Donc, moi, je pense que la présence militaire, en ce qui me concerne,
n'est pas très gênant. C'est rassurant. Quand ils vont juger que leur présent, avant ça, dans cette ambiance, vous le savez, parce qu'il y a un problème qui sont là-bas. Il ne faut pas les provoquer, n'est-ce pas, la gendarmerie. Non, mais dans cette ambiance d'incertitude, Élie, je veux vous dire ce qui s'est passé. Justement, c'est dans cette ambiance d'incertitude qu'est donc arrivé les événements de Kumbo. Où le ministre de la Défense a dû suspendre le commandant de compagnie locale, ou du moins le président de la République, a dû suspendre le commandant de compagnie locale après qu'il y ait eu un mort. Mais là, je veux vous dire quelque chose. Je crois que pour une fois, le président a bien fait en agissant parce que, contrairement à moi, je lui dis quelque chose. Les gendarmes sont allés, on a des correspondants, mais je connais, pour arrêter les gens qui... Le cannabis. Et en parallèle, ils ont commencé à racketter les gens au village, ils ont pris 700 000, prennent les bétails. Donc, et il y a eu les gens qui sont dit, venez arrêter les planteurs de cannabis, oui, mais ne venez pas nous racketter, prendre nos bétails pour rentrer avec. Et on a tué un là-bas, et on a pris le corps pour aller présenter le corps à Kumbo, qui est le siège du département de Bouy. On a encore tué un autre qui s'appelle Aziz. Voyez-vous, et je crois que là, le chef de l'État a bien fait, quand vous avez des gendarmes, vous dites qu'ils sont très bien pour mettre la sécurité, ils viennent pour arrêter un planteur de cannabis. Et à côté, ils commencent à racketter comme ils font ici dans la ville. Les gens ont le droit de se défendre. Moi, j'ai mes chèvres que je produis et toi, tu viens le prendre parce que tu as un arbre. Comment je fais? Donc, je pense que dans l'incident dans le département de Bouy, ceux qui ont tort, c'est la gendarmerie et le président a bien vite fait parce que je pense que lui-même, il sait qu'il a été trompé dans tous ces trucs-ci. Il a essayé de faire pour apaiser la situation. Quand vous avez les policiers et en plus... Ils utilisent les balles réelles. Pourquoi ils ne peuvent pas avoir une autre manière pour arrêter la population? Donc là-bas, la population du Bouy n'a pas tort. Là, je suis d'accord avec vous que normalement, les gendarmes et les policiers sont bien formés. Ils ont été formés, n'est-ce pas, de maîtriser les foules, maîtriser les Camerounais qui sont sans armes. Mais le fait de gérer les armes, n'est-ce pas, est une faiblesse de la gendarmerie qui doit passer le produit. Et le chef d'État a pris des mesures, a dit quoi, n'est-ce pas, pour voir dans quelle maison on peut régler et apaiser même la situation. Parce que il y a apaisement, on doit éviter toute violence, toute chose qui peut aggraver la situation. Et ici, moi, je viens de vous dire que envoyez vos enfants à l'école pour que les autres, n'est-ce pas, soient, n'est-ce pas, encouragés en disant que non, nos camarades qui vivent à Yaoundé, Douala, Bafoussam, sont venus. Vous ne le faites pas. Ceux qui sont, n'est-ce pas, sur place, ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent faire pour démontrer que l'école a bien commencé. Mais lorsque vous, les francophones, je parle les francophones, vous n'envoyez pas vos enfants alors qu'on savait qu'il y avait au moins des bus qui venaient chaque rentrée. Et ces bus ne viennent plus. Ça crée, n'est-ce pas, toute cette atmosphère de suspicion. C'est comme si les autres, là aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Je demande aux parents francophones, envoyez vos enfants, il n'y a pas de problème. Les enfants ne seront jamais touchés, ni à Bamenda, ni à Bouya. Vous savez, lorsque je parlais de cette assise, c'est parce que tout a commencé d'abord par une assise qui a dégénéré. Maintenant, pour le régler, il faut maintenant, n'est-ce pas, une espèce d'assise pour recadrer, n'est-ce pas, le débat. Et fait on voit dans quelle mesure on peut régler les problèmes. Pour un homme de Bamenda, je vous dis, en dehors de la politique haute, c'est la route. Là où ils peuvent faire, parce que les gens aiment beaucoup voyager. Si la route est mauvaise, c'est la cause de la revendication, n'est-ce pas, d'un homme, je parle de banque, quelqu'un de chez moi à Bamenda. Quelqu'un comme BBC. Mancho BBC a commencé. Parce que les routes de la ville de Bamenda est mauvaise. Mais c'est qu'un militant de l'État, comme vous reconnaissez. S'il vous plaît, comme il a constaté qu'il a une foule derrière lui, il s'est transformé en homme politique. Qu'il s'est à tort. Il avait une bonne cause, mais il a détruit ça en voulant se passer pour un homme politique. En portant les t-shirts, les SCNC, avec le drapeau, ainsi de suite, et encourager les gens de faire la violence. Bref, c'est ça le problème. Mais il avait une cause juste qui touche tous les gens de Bamenda, qui est la route. Si on fait la route, n'est-ce pas, de Bafoussam, là, et le ring road, on a parlé toujours du ring road, tu vas voir, Bamenda, c'est très calme. Parce que, je vous dis, les gens qui habitent un peu loin, vers Kambe, même à Woum,
vraiment, quand tu vois. Je n'enlève rien à ce que vous dites. Vous voyez ce qu'ils arrivent pour arriver chez eux. Mais j'ai pu c'est très déplorable. Et c'est là où se trouve le problème. Donc le problème, c'est. Combat m'en fait. Ce n'est même pas politique en tant que tel. Parce qu'il y a très peu des anglophones qui entrent dans les choses politiques. Il y a très peu de Camerounais qui sont vraiment intéressés à la politique. Parce que, comme vous ici, je vous ai dit, est-ce qu'un jour, un par nous, nous, là, vous, a essayé, n'est-ce pas, de briguer, ou bien de poser la candidature pour une poste politique, pour passer par une élection. Les Camerounais ne sont pas intéressés. Ce qui les intéresse, n'est-ce pas, c'est le quotidien. Comment vivre? Comment ça va vivre avec les voisins? Comment faire, n'est-ce pas, faire mon champ, et bouger la nourriture, venir vers le marché? Et c'est ça le problème qui se pose. Cette histoire d'enfants à l'école, vivre et autres, là, c'est des problèmes secondaires. Ça, c'est des problèmes majeurs. Lorsque ces problèmes sont réglés, vous allez voir comment les choses vont changer. Donc, j'ai dit, d'abord, une petite réunion d'abord. En guise de conclusion. Oui. D'abord, cette réunion, n'est-ce pas, pour recadrer le débat. Et deuxièmement, il faut que ça suive par le développement structure, l'infrastructure routière. C'est très important. Et tu vas voir comment les choses vont se calmer comme, n'est-ce pas, comme si on avait de l'eau sur le feu. Bernard Bourguin, en guise de conclusion, sort du débat. Et, s'il vous plaît, pour terminer, M. Smith a parlé des problèmes de mélange de l'huile rouge. De l'eau et de l'huile. De l'eau et de l'huile. Je pas du coup. Est-ce que vous connaissez ce que vous dites tarot, la nourriture appelle tarot? Et la sauce jaune. Absolument. La sauce jaune est un mélange excellent de l'eau. Et l'eau, ça se mélange bien. Ça donne un bon mélange. On mange. On peut bien le faire. Avec le canda. Oui, avec le canda dedans. Voilà. Vrai. Oui, s'il vous plaît, permettez-moi d'abord de déconstruire quelque chose. En quelques minutes, on est à la fin. Oui, qui façonne très négativement l'opinion publique. Dit que les anglophones sont menacés. Je peux vous attester, avec mon vécu quotidien, que ce n'est pas vrai. Je vis avec des anglophones. Mais moi, je travaille menacé. Avec eux. Je suis allé à l'école avec eux. J'ai bientôt 60 ans. Il n'y a pas un seul, et ils se confient à moi tous les jours, il n'y a pas un seul qui m'a un jour dit qu'il se sent frustré. Vous comprenez? Ils sont très nombreux. J'ai les mêmes avantages que eux. J'ai les mêmes problèmes que eux. J'ai les mêmes soucis que eux. On partage ça ensemble. Par contre, il y a des Camerounais, anglophones et francophones, qui se sentent frustrés parce qu'ils ne s'en sortent pas. Maintenant, on ne peut pas scientifiquement, parfois même sans être véritablement anglophone, dit que les anglophones pensent ceci, alors qu'on n'a pas fait un sondage, suivant les règles de l'art, on n'a pas procédé à un vote. Parce que quand on fait même un sondage, encore faut-il que l'échantillon soit représentatif et qu'il y ait un certain nombre pour après extrapoler. Donc, c'est une erreur de venir dire ce qu'on pense, de venir exprimer ses frustrations et dit que ce sont les anglophones. Alors qu'on n'a pas été contacté par les anglophones. Pour terminer, ce que je voudrais dire par rapport à cette crise, en réalité, il faut quelquefois savoir arrêter certaines choses. Il faudrait que les gens se rendent compte de ce qui a été déjà perdu par les commerçants de ces villes-là. On parlait tout à l'heure des francophones. J'ai beaucoup de familles des deux côtés. Beaucoup de familles. Au sud-ouest, au nord-ouest. Les pertes sont énormes. Les pertes de l'État sont énormes. Les pertes sur le plan éducationnel seront énormes. Pour après, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va récolter encore par rapport à ce qui a été déjà donné. Parce que même la forme de l'État, que ce soit le fédéralisme, je peux vous dire que s'il y a fédéralisme, le problème de fond, là, ne sera pas résolu. Merci, Bernard. Michel Michaud, pour terminer. Donc, je pense avoir, avant de prendre un peu ce que les autres pensent de notre société, il faut pouvoir, nous-mêmes, apprendre à se remettre en cause. Le problème est celui de voir qu'il y a une crise de notre société camerounaise dans son ensemble.
le Cameroun est en crise à cause d'un système, à cause... Il faut se le dire, il faut rapidement revoir les choses de manière politique. Parce que même si on s'identifie à travers un corps de métier, on a de la peur et de la... On a l'impression que nous n'avancions pas. Le problème anglophone trouve son adhésion au sud, à l'est, à l'ouest. Parce que d'une manière ou d'une autre, il faut se le redire, il faut qu'on dise que nous voulions une société humble. Nous voulions une société où on écoute le pauvre, où Merci. Le riche n'écrase pas le pauvre. Et que nous pensions que le problème anglophone, nous en appelons... C'est la gouvernance. Voilà, c'est un problème de la gouvernance. Et même quand cela ne tienne, nous en appelions au bon sens pour qu'on comprenne que nos frères comprennent que l'intérêt des enfants prime sur tout ce que nous pouvions faire. Merci, Michel. J'appelle à ce que les enfants aillent dans les écoles. C'est un souhait parce que c'est désagréable de voir les tiens partir le matin à Douala à l'école et que de l'autre côté, les enfants en soient en train de souffrir. À ce niveau, on peut demander aux gens de laisser les enfants aller à l'école. En guise de conclusion, tout le monde veut que les enfants vont à l'école, mais il faudra que le gouvernement mette en place les mesures d'accompagnement parce que, comme je l'ai dit, je n'ai pas de miracle encore à dire. Et que quand vous avez fait une année sans fréquenter, il y a des mesures d'accompagnement nécessaires pour mettre en place. Merci. Alors, j'annonce pour jeudi, dans le cadre d'entretien, l'invité sera le docteur Christophe Fourmognon, le représentant pour l'Afrique du National Democratic Institute, un think tank proche du Parti démocrate américain, donc aux États-Unis. Il sera donc invité jeudi, c'est à partir de 22h sur cette antenne. Moi, je vous retrouve évidemment dimanche pour, mardi prochain pour une autre édition de Cartes sur table. Évidemment, dimanche, vous aurez cet hebdo avec cette fois-là René Narcisse Moto. Bonsoir, jeudi, mardi, Cartes sur table et entretien. TV, votre télé.